Donc je suis Florent. Alors, qui a envie que ça dure longtemps? Enfin, parce que je peux parler beaucoup, beaucoup trop en général. Qui a du temps après? Qui n'a pas du tout de temps? Il faut genre une heure, c'est le max? Une heure et demie? Ok, une heure. D'accord. Une heure et demie, ça vous va? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, on papote. Je vous présente des trucs. Il y a des gens qui connaissent OVH, c'est par vous, c'est par ici, c'est ça? Il y a des gens qui l'utilisent. Donc, il y aura. Et là-bas aussi. Manifestement. N'hésitez pas à me poser des questions. Le plus c'est interactif, le mieux c'est. Alors j'étais justement sur un jug au Luxembourg, parce que j'allais voir des clients là-bas et je suis allé papoter avec eux. On a fait ça en mode interactif, ça a l'air quasiment une discussion. Sans déconner, c'était vraiment, vraiment agréable. Je peux vous faire des slides. C'est avec bonheur, pas de souci, je sais faire. Et le mieux, c'est qu'on commence ensemble et on voit comment ça fonctionne. Et si vous êtes vraiment hyper timide, vous avez des trucs pour vous donner envie de poser des questions. Et les mauvaises questions sont les meilleures, parce que c'est là, ça veut dire qu'on va revenir sur la sémantique, sur du vocabulaire. Donc n'hésitez pas, enjoy, je ne mords pas. Et pour les plus geeks d'entre vous, moi je dors ce soir à Rennes, donc je peux rester la soirée à parler geek, parler bytecode si vous voulez, c'est bonheur. Ça vous va? Donc moi je suis ça, et vous êtes qui? Donc, qui est plutôt dev? Ah, c'est bien. Non, qui est plutôt ops? Ouais, c'est bien, parce que moi, je suis les deux, en fait. Qui est plutôt boss? Qui n'a pas levé la main? Non, c'était une vraie question, en fait. Et vous, en fait, vous êtes qui, alors? Les archis. Les touche-à-tout. Oh, un archi qui se dit qu'il ne lève pas la main quand il est dev? D'accord. Ah non, moi j'ai levé la main les deux fois, hein, parce que moi je suis dev et ops. D'accord. Donc ceux qui sont, donc qui utilise Kafka? Enfin, qui ne connaît pas Kafka? Super. Donc levez encore la main, s'il vous plaît. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Super. Donc vous connaissez pas Kafka? Parfait. On est là pour découvrir Kafka. Est-ce que ceux qui ne connaissent pas Kafka connaissent les MQ, genre les RabbitMQ, ActiveMQ, etc. Donc ceux qui ont levé la main, qui c'est qui ne connaît pas également les Q? Ok, très bien. Donc en fait, on connaît au moins tous Kafka ou tous un système de Q. Ouais, nickel. Ok. Qui utilise Kafka en prod? Yeah, 2 et OVH. Donc, vous êtes 3, pardon. Donc, j'ai. Et. Ok, nickel, tu peux commencer? Donc, tu bosses, tu fais du Kafka ou ça? Ouais, je fais du Kafka, sinon, je vais répéter le meilleur de ta réponse. On entend? Allez, ouais, on nickel. Moi, je suis dans l'équipe Continuous Delivery à OVH et on utilise du Kafka beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme beaucoup de gens à OVH, en fait. Oui, j'ai imaginé. Et mon collègue de gauche, c'est lui qui maintient le Kafka d'OVH. Et voilà. Super, il va falloir qu'on discute. En fait, non, qu'on discute ici, en fait. Dire ce que tu as aimé, ce que tu n'aimes pas, là, il faut faire attention, etc. Pour que ça se partage, en fait. C'est cool. Vous étiez tous les trois à utiliser Kafka en prod. Donc j'imagine que le reste, c'est OVH, ça, toute l'équipe. D'accord. Quoi, vous êtes genre 8, 9, ça, peut-être 8? Ok, enfin, plein. D'accord. Okay. Donc, on est tous les deux chez Astelia, à Saint-Jacques. Nous, on s'en sert pour récupérer des traces, en fait, pour tous les appels. On récupère les traces des appels mobiles. D'accord, des logs métiers. Voilà. Et tu les mets dans un gros buffer intéressant, qui est Kafka, qui a des propriétés rigolotes. Voilà. Pareil, ou un autre truc? D'accord, maintenant tu vas faire autre chose. Non, je suis chez CGI pour OBS, où on a un double usage, pareil, des contrôleurs d'appel, mais aussi des logs techniques. D'accord. Ok. Quelqu'un d'autre a un usage de Kafka, pas forcément en prod, mais qui ressemble à de la prod? Ah non, ah oui, tu levais la main en vrai, d'accord, je croyais que c'était pour déconner en fait. Ok, vas-y, vas-y. Ah non, ok, non, je pensais vraiment que tu allais répondre. Personne d'autre? Si, excuse-moi. Bonsoir. On l'utilise en développement pour l'instant, on envisage de l'utiliser en production pour streamer des données qui viennent de Change Data Capture sur du Golden Gate. Nickel. Ou sur de l'IDR. Alors, qui sait ce que veut dire Change Data Capture, CDC?
D'accord. Tu peux expliquer ce que c'est qu'un CDC ? C'est un outil qui permet d'intercepter toutes les modifications dans une base de données relationnelle pour pouvoir soit cloner la base de données, soit faire une base d'audit pour intercepter toutes les inserts pour qu'on puisse reproduire, analyser a posteriori tout ce qui s'est passé pour l'analytique. Exactement. On va reparler de ça parce que c'est super important. C'est un cas d'usage super important. Nickel. OK. Je propose de faire le moins de slides possible et je vais utiliser ça comme un espèce de fil rouge, mais on peut aller à la chacale dès que vous pensez que ça fait sens. On va revenir juste sur Kafka. Donc vous êtes là avec Kafka. Bon, Kafka, on va en parler, mais le mieux, c'est de demander. Donc vous utilisez Kafka en prod, alors avec CDC, avec des logs métiers, avec, j'imagine, des milliards de métriques et plein de choses chez OVH. Bon, super. Et quelles sont les propriétés qui vous intéressent ? Donc oui, c'est un espèce de middleware de messages, mais pourquoi vous utilisez ça ? Alors, on va commencer par OVH, parce que j'imagine que vous avez plein de propriétés intéressantes que vous devez, que vous souhaitez mettre dans votre système, quoi. Faire un leverage sur ces éléments. Allez-y, go, tranquille. Alors, je ne vais pas parler au nom d'OVH, parce que je ne connais pas tous les usages de Kafka OVH. Non, je ne parle pas de l'usage, je parle des propriétés techniques de Kafka. Que tu vas utiliser. On utilise Kafka parce que, nous, dans ma team, on l'utilise parce que c'est très, très, très solide. Ok. On met dans la file et on sait que c'est bon, quoi. Une fois que c'est dans Kafka, on sait que donc, rien n'est perdu. Des garanties particulières. Ouais, c'est ultra stable, ultra rapide. Donc la rapidité. Ouais, voilà. Si on a envie de faire des choses en parallèle, en fonction des messages qu'on envoie dedans ou pas, on a la main dessus. Donc, en fait, c'est l'historique, c'est ça ? Ouais, l'historique et puis la gestion des topics et des consumer groups qui sont vraiment excellents. Pas trop vite. Donc il y a le mot topic, nickel. Voilà, les consumer groups. Et en fait, nous, dans l'outil en fait qu'on développe, les gens nous envoient des messages. Enfin, les gens s'envoient des messages dans Kafka, parce que finalement, c'est comme une boîte aux lettres. On dit à Kafka, on dit à notre facteur, vas-y, tiens, prends la lettre. Et puis, il va la délivrer. Donc nous, ça nous permet de recevoir des événements, peu importe le type d'événement. On met ce qu'on veut dans Kafka, un message, ça peut être un JSON ou ça peut être du byte ou n'importe quoi. Et puis finalement, on a des choses qui consomment les topics Kafka. Et voilà. Ça nous permet, en fait, en dehors d'être sur une couche TCP, d'une couche HTTP, de recevoir des messages en traversant plusieurs DC. Tu as un MUM solide avec des garanties dont tu n'as pas parlé. Tu as trouvé que c'était rapide. Il y a plusieurs personnes qui peuvent consommer les mêmes données. C'est indépendant de la structure du payload. Et tu as parlé de deux mots-clés particuliers. Bon, ça va ? Ça résume ce que tu as dit ? Ouais, en gros, ouais. D'accord. À vous. Ah, merci. Moi, je pensais aussi à la scalabilité. Alors, rapidité, d'accord. Scalable, parce que c'est pas la même chose. Ouais. Je suis d'accord. Du coup, distribuer un petit peu tous les consommateurs qu'on fait. D'accord, très bien. Donc, c'est la patate et ça scale, nickel. Pardon. Il faut mettre la patate dans la bouche. Aussi, la gestion des offsets, qui est pas mal. OK. Donc, il y a un mot-clé, c'est un offset. Okay. Et au niveau des garanties, à la IAVability avec la réplication. Réplication, d'accord. OK. Le fait qu'on puisse consommer le même topic par plusieurs... C'est l'historique, en fait. C'est finalement, on va en parler après, nickel. Il n'y a pas une propriété particulière ? Qui fait l'event sourcing, par exemple ? Qui connaît le mot event sourcing ? D'accord. Donc, le CDC, en fait, finalement, c'est faire l'event sourcing au cul du camion, en fait, au cul de la base de données. En fait, c'est un peu l'inverse de ça. Très bien. Donc, l'event sourcing, vous êtes d'accord que vous devez appliquer des actions en séquence ? Qui n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire ? D'accord, parfait. Donc, en fait, il y a une notion qui est super importante, c'est l'ordre. La plupart de mes clients à moi, c'est des banques. Si on mélange les actions, ça ne marche pas. Ouais, l'ordre, c'est hyper important. T'as vu ? Il y a d'autres trucs ? Le partitionnement.
extrêmement lié à la notion d'ordre. Nickel. Bon. Qui a découvert des mots-clés là-dedans? Vas-y, continue. Vas-y. Ce que j'aime aussi, moi, c'est dans Kafka, c'est la stabilité. Ça a relativement peu bougé. Enfin, ça fonctionne à peu près de la même manière depuis la 0.8. Enfin, moi, j'ai commencé en 0.8.2. Depuis la 0.9. Ça consomme. La 0.9 a changé, mais ouais. Finalement, voilà. On a toujours les mêmes termes, c'est toujours la même manière de gérer les choses à quelques évolutions près, ouais. et c'est aussi bien. Ouais. Ben, en fait, je suis d'accord avec ça. On a brossé. Bon, il y a d'autres propriétés, mais je vais brosser rapidement. Donc, pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce qu'on parle de Kafka? Parce que c'est une brique qui est solide, qui a passé l'épreuve du feu. On est passé en 1.0 après genre 7 ans de 0.1, 0.2, 0.1 jusqu'à la 1.0. Donc là, on est à 2.0, il ne faut pas s'exciter. C'est juste parce qu'on a enlevé le support de Java 1.7. Donc en fait, on peut prendre le 2.0 comme une version 1.2. Pas plus que ça. Donc la notion d'ordre, c'est extrêmement important. Arriver à être scalable et rapide, bon, déjà c'est intéressant. Et en plus, à garder la notion d'ordre, c'est assez sympa. Donc, nickel, c'est rapide. Donc, les garanties, tu en as parlé, c'est que quand Kafka te dit le message, je l'ai stocké, c'est vraiment stocké. C'est parfait. Enfin, c'est parfait, en fonction des propriétés, on va parler tout à l'heure. C'est toi qui en as parlé, c'est indépendance. Il y a une lettre en plus quand même. L'indépendance du payload. Donc le payload, c'est le message qu'on fait passer dans ce tuyau-là. Ben, en fait, Kafka, ça prend des bytes, ça les réplique et ça sort des bytes. Il n'en a rien à secouer de ce qu'il y a là-dedans. Donc en fait, c'est open bar. Vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. Ça, c'est assez pratique. La réplication, elle est liée aux garanties. Donc en fait, s'il y a des machines qui crashent, ben, vos données, elles sont encore là. Si c'est des données importantes, c'est quand même assez important. On est d'accord. Donc la notion d'ordre, j'en ai parlé. Alors l'historique, c'est un des trucs les plus importants. En fait, c'est la raison. Tout le reste, c'est des trucs techniques hyper. Enfin, je veux dire, c'est vraiment important. Mais la raison pour laquelle Kafka a été créé, c'est d'abord pour ça. Alors on va revenir. Donc là, bon, Kafka, ça a des propriétés, c'est super. Donc on en parle, c'est cool. Mais bon, ça sert à quoi? Parce que vous êtes d'accord que la plupart de nos systèmes d'information, ça vient des grands systèmes des années 60, parce qu'on n'a rien inventé. Qui a bossé avec des gens qui font du COBOL ou du PACBase? C'est un bonheur. Hein. On se fait mettre des mines par ces équipes qui sont vraiment hyper efficaces et on a vraiment réinventé en moins bien ce qu'ils faisaient il y a longtemps. Mais donc ça, c'est vraiment ce que je pense, réellement. Et toutefois, il y a des gens qui ont créé... donc ça s'appelle Kafka. Super. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait Kafka alors qu'il y avait déjà RabbitMQ, je pense, à ce moment-là. Je pense que ça devait être le début. Il y avait plein de MQ. Les bons vieux IBM MQ, ou pour les anciens, les CICS et tous les bazars. Donc pourquoi est-ce qu'on a créé ce nouveau composant? Qui peut me dire ça? Donc là, maintenant, la question, c'est en gros JMS versus Kafka. Pourquoi est-ce qu'on a fait Kafka alors que JMS existe? C'est un peu ma question. Qui connaît pas JMS? C'est une spec au-dessus des middleware de messaging, des MQ, en fait, grosso modo. C'est une JSR. OK. C'est vraiment important de comprendre pourquoi Kafka existe, hein, parce que les propriétés, super, il y a d'autres composants qui ont des propriétés vachement intéressantes. Parce qu'ils s'ennuyaient. Alors, non. Il fallait un truc open source? Parce qu'ils veulent faire des trucs open source, ouais, c'est super. Ouais. Je crois pas que ce soit ça. D'accord. Pardon? Alors, en fait, c'est lié à ce que tu as dit. En fait, chain data capture, en fait, la plupart des gens qui utilisent chain data capture, en fait, ça prend d'IBM pour les mettre dans un autre système pour, en fait, que tu payes moins de MIPS et tu te fasses pas violer par IBM. Donc, oui, mais non, mais c'est pas l'objectif principal. C'est quoi un MQ? En fait, c'est toujours un peu difficile de choisir la représentation. Donc, j'ai une file, je mets A, puis B, puis C. Donc c'est je push, hein, c'est une stack, d'accord? Et puis donc il y a quelqu'un qui met des trucs dedans. Donc là c'est le haut de la pile. Et moi je consomme. Donc j'ai une vraie personne. Je dis un MQ, A, c'est pour moi. OK?
Le petit bonhomme, il se barre avec le A. Donc en fait, le A, il s'est barré, il n'existe plus. Il a fait un pop, hein, grosso modo. Alors pop, ça s'appelle un hack, machin, super. Et il fait un truc avec. C'est extraordinaire. En gros, il y a une stack, il fait pop, il prend la donnée, il fait un truc avec. C'est quoi le problème ? Quoi ? Ben ouais, c'est ça en fait, la difficulté, c'est ça. Alors en fait, c'est pas vraiment une difficulté, parce que en fait, si on a un MQ de qualité, on peut créer une autre queue pour quelqu'un qui est différent et qui va récupérer un espèce de A, en fait, un espèce de Y. Bon, pourquoi pas, mais c'est en fait, on est en train de péter le modèle, c'est pas vraiment fait pour ça. Donc la différence entre un MQ et Kafka, c'est aussi simple que de dire que Kafka, c'est ça. Je commence, je mets un A, puis un B, puis un C. Et au lieu de prendre la donnée, et je me barre avec, et elle est à moi, et elle n'est plus disponible, j'ai juste un pointeur là-dessus. C'est aussi bête que ça. Et donc, ce consommateur, il va consommer A, puis B, puis C. Donc A, B et C sont encore là. C'est extrêmement important. C'est immutable. Qui aime l'immutabilité ? Qui ne connaît pas le mot immutabilité ? C'est quand tu as une structure de données, tu ne la changes pas. Donc si tu ne la changes pas, l'état ne change pas. Donc tu ne peux pas tromper. Un état est un état. Donne. Donc en fait, ça enlève un nombre gigantesque de bugs. C'est la raison pour laquelle c'est solide, en fait. Ok, donc c'est immutable. Donc si c'est immutable, ça veut dire A, B, C seront toujours là. Bah très bien. Bah il y a un petit bonhomme qui est là, une petite nana plutôt, et elle est en train de consommer sur A. Et donc en fait, il y a une nouvelle dimension de type d'usage. En fait, on était sur une stack, et maintenant on est sur un espèce de segment où cette ligne là, ça se pointe sur une case, et cette case, ça s'appelle un offset. Bon, c'est un pointeur. Qui n'est pas d'accord avec ça ? Qui galère ? Non, c'est cool. D'accord. Ça vous va ? Ceux qui connaissent Kafka, vous êtes à l'aise avec ça ? Vous êtes d'accord ? J'ai pas perverti le truc. Hein. Donc en fait, la vraie différence entre Kafka et les systèmes de queuing, c'est juste ça. C'est juste ça. Bon, après, il y a une nouvelle couche intéressante qui arrive. Et pourquoi est-ce que ça a été fait ? Parce que ça a été fait par ces gens-là. Alors, qui reconnaît quelqu'un dans ce truc-là ? Il faut regarder les deux premiers, hein, parce que les autres, je pense que vous ne les connaissez pas. Qui connaît J. Krebs ? D'accord. Qui connaît Voldemort ? Non, pas le bouquin, merci. Donc, le système de clé valeur distribué qui déchirait. 1,5, 2, pas plus ? D'accord. En fait, c'est l'espèce de grand-père de Redis qui déchirait, surtout le grand-père de HBase, en fait. Donc, c'est lui qui l'a fait, chez LinkedIn. Bon, super. Et en fait, J. Krebs et Nea, en fait, ils avaient un besoin particulier qui ressemblait à ce genre de choses. Et ils ont regardé les messageries, les queuing du marché, et ils ont fait, ouais, on peut arriver à multiplier les topics, etc. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, ils avaient genre 500 millions de messages par jour. Bon. 500 millions de messages par jour, c'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup. Donc ils ont fait Kafka. Et pour la blague, ils ont fait également, qui connaît Samza, un modèle de processing distribué. Donc c'est eux qui l'ont fait en fait. Et pour la blague, la suite de Samza s'appelle Kafka Stream. Mais on en parle tout à l'heure. Ils étaient chez qui à l'époque ? LinkedIn. Qui peut me dire le nombre de messages par jour chez LinkedIn actuellement ? Et donc 100% du truc chez LinkedIn tourne sur Kafka. Combien ? Alors, plus que zéro, qui dit mieux ? Vas-y, combien ? Bah, vas-y, plus que zéro. Non, à l'arrache, combien ? Centaines de millions, plus ? Plus ? Hein ? Non, non, le nombre de messages, parce que péta, ça veut rien dire. Bah, largement plus. T'es vraiment loin. 2000 milliards ? C'est 3,2 trilliards de messages. Netflix, 4,7 trilliards. Et ça passe dans cette boîte-là pour avoir
Alors Netflix, ça ils s'en foutent, eux ils veulent ça surtout. Ils veulent ça, ben oui, un petit chouille. Ben, ils veulent ça parce que ben ouais. Ouais. La réplication, ben oui, genre t'as fait clic, ben une machine elle meurt, et avec leur scale, les machines elles meurent, mais toutes les 15 minutes, il y a une machine qui crache complètement. Donc s'il n'y a pas de réplication, c'est mort. Immutable, ça permet d'avoir moins de bugs. Donc ouais, c'est rigolo. Bah, j'ai déjà trop parlé. Donc voilà, Jay Krebs, c'est le CEO. Néa, c'est la CTO. Et à droite, c'est ma boss, c'est Sarah. Elle est très rigolote, très sympa. Alors, OK, donc on est d'accord que Kafka, donc c'est un espèce de système de messagerie avec un petit twist qui a des propriétés intéressantes. Mais qu'est-ce que peut faire Kafka d'autre? Alors, qui connaît Org Apache? Enfin, Apache, Apache. D'accord? Qui connaît grosso modo l'écosystème de Kafka? Donc j'espère pas trop, parce que sinon je ne sais rien. Ok, nickel. En fait, il y a une espèce de malentendu avec Kafka, c'est que Kafka, ce composant-là, qui en fait s'appelle un broker, c'est tellement bien à cause de tout ça, puis il y a des énormes clients qui sont super contents, qui en parlent. Donc en fait, c'est broker, 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 broker. Donc en fait, c'est quasiment le publish-subscribe. Ok? Bah, messagerie, publish, subscribe, bon, d'accord. Mais c'est également du storage. Vous avez combien de péta ou de giga chez OVH? Enfin, en tout cas, dans votre système à vous, ou pas forcément dans OVH en global. Ce que toi, tu vois quand tu fais un DF distribué, quoi. Ouais, c'est compliqué parce que à l'arrache, on a beaucoup de régions. Donc, c'est pas évident à... À l'arrache, t'es en péta ou t'es en centaines de gigas? Non, plutôt centaines de gigas, je pense. Moins, je pense au moins d'un péta, parce que nous, on n'a pas un temps de rétention trop long. Ok, Criteo, c'est un de mes clients. Eux, c'est en gigas par seconde. J'ai un autre, ils vont parler dans pas longtemps. C'est une place boursière européenne, c'est mon client perso. Donc, ah oui, je suis TAM, Technical Account Manager. Donc, je m'occupe des clients, les plus gros clients en Europe. Et c'est pour ça que j'ai des scales un peu intéressants. Donc, une place boursière européenne, c'est 6 millions de messages par seconde. Alors, évidemment, on est d'accord que ça, c'est obligatoire, 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 ça, c'est obligatoire. Et puis, il y a la Sécu qui est obligatoire, il y a les ACL, les quotas, et machin, enfin, tous les trucs un peu pénibles. OK. Donc, en fait, c'est une plateforme de storage également. On peut avoir beaucoup de temps. Ça, là, on a des clients qui sont en péta, easy, et on ne paye pas le coût du péta. Ça n'a pas d'impact sur les perfs. Et alors, il y a un autre truc encore moins connu, c'est le processing. Qui connaît Spark Streaming? Qui connaît Spark? Non, qui ne connaît pas Spark, déjà? Qui ne connaît pas Spark? Alors, ceux qui ne connaissent pas Spark, je vous recommande chaudement de regarder. Je pense que vous ne pouvez pas vous passer de savoir à quoi ça sert. Grosso modo, c'est du MapReduce bien fait. Côté batch, ça déchire, c'est vraiment très très bien. Alors, qui ne connaît pas Spark Streaming? D'accord, donc Spark Streaming, ben, c'est en fait, c'est du... Donc, ils savent super bien faire du batch. Et quand il y a des données qui arrivent en temps réel, ben, ce qu'ils font, ils prennent un petit pâté, ben, ils font du batch dessus. Donc, en fait, ce qu'on appelle du micro-batching. OK, ben, ça marche plutôt bien. Donc, qui connaît Flink? D'accord, Flink, c'est un composant de type Spark Streaming, mais qui est nativement élément par élément. Flink, il sait lire A, puis B, puis C, et en gros, Spark Streaming, il sait lire A, B, C, puis D, E, F, etc. Donc, c'est un petit peu différent. Et il y a un autre composant qui est Kafka Stream. Kafka Stream, en gros, donc il y a les données qui sont là-dedans, il y a A, B, C, D, E. Et si on veut valoriser les données en temps réel, ben on peut utiliser Kafka Stream. Donc c'est la branche process. Et puis il y a un autre truc, vous voyez les flèches genre NoSQL, mainframe, RDBMS, RDBMS, donc en fait on parle bien de chaîne de capture, Hortonworks, Hadoop à l'extérieur, c'est également un ETL. Qui sait ce que c'est qu'un ETL? Formidable, donc c'est un espèce de gros copie. Alors là, c'est un slide commercial parce que les trucs orange, ça ne nous concerne pas aujourd'hui, on s'en fout. Donc en gros, il y a Apache Kafka qui est ici. Vous voyez mon curseur ou pas? Ouais, c'est ça. Donc le core, c'est le broker. OK. Connect, c'est l'espèce de brique qui permet de faire un ETL.
OK ? D'accord ? Donc c'est un petit peu vite, c'est-à-dire qu'il manque des connecteurs pour se connecter à droite et se connecter à gauche. Les Stream API, c'est un espèce de DSL pour valoriser des données en temps réel. Qui connaît Kafka Stream ? Excusez-moi, je n'ai pas demandé. Ouh, très bien, on va parler. Super. Donc ça, c'est du pur open source. On ne voit pas bien les couleurs là-dessus. Donc en gros, ça, c'est la fondation Apache qui en a la gouvernance. Mais il se trouve que, en fait, on est un peu la boîte qui a, enfin, l'équipe qui a créé tout ça. Donc on produit beaucoup de ce qu'elle a. Mais on augmente également l'écosystème. C'est un peu la raison pour laquelle je suis là. Donc il y a des clients. Donc ça, c'est fait en Java. Ben qu'est-ce qui se passe si je ne sais pas cliquer sur les mulots. Donc qu'est-ce qui se passe si vous êtes en C++? Qu'est-ce qui se passe si vous êtes en Python? Qu'est-ce qui se passe si vous êtes en Node? Qu'est-ce qui se passe si vous êtes en C#? Eh bien, out of luck, désolé, c'est une JVM. Et nous, en fait, en open source, hein, je vais toujours parler d'open source. Hein. En open source, on fait les clients, tous ces clients-là. Donc, on est l'équipe qui fait le core, et on est l'équipe qui fait également les clients. Donc, ben, vous êtes contents, en général. On fait des connecteurs. Donc, les connecteurs, c'est permettre de faire des flèches dans du Hadoop, dans du S3, dans du MongoDB, dans du Debezium, etc. C'est cool. Puis si vous êtes, je parlais de mes copains de Packbase et des grands systèmes, ou alors de nos amis avec les nanas toujours, comment ça s'appelle ce langage foireux là, de quatrième dimension, c'est quoi? Windev. Oui, donc si vous êtes en Windev, bah, on fait pas de vu qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, on leur crée pas de clients, donc pas de clients, bah, tu te démerdes avec. Donc le seul langage qui est connu par tout le monde, c'est HTTP. Donc on fait un REST proxy, c'est une espèce d'API devant Kafka. OK. Il y a une CLI. Alors, ceux qui connaissent Kafka, qui a trouvé que Kafka, pour l'install, c'était facile? What? Ah oui, c'est vrai. OK. Donc, en général, c'est un peu relou. Pourquoi? Parce que Kafka, c'est un système distribué qui utilise un autre système distribué. Et si vous voulez avoir toute l'infrastructure, c'est juste méga pénible. En fait, sans déconner, c'est trop compliqué. Confluent, on fait une CLI. C'est un gros zip. On fait télécharge. Confluent start. Il y a toute la stack qui est démarré sur votre poste. Donc vous n'avez pas le droit de pas au moins essayer en vous disant non mais c'est trop long à installer. C'est extrêmement pratique. Évidemment, c'est pour la dev, c'est pas pour la prod. On en parle à la fin sur Kafka Next, si tu veux. N'oublie pas de me poser la question. Donc la réponse c'est oui, mais à fin d'année prochaine, pour les raisons que je présenterai tout à l'heure. Donc là il y a une caméra. Est-ce qu'on peut enlever le truc? Donc parce que je vais parler de ce qui m'a enregistré. Je vais me faire défoncer, mais qui connaît l'aphorisme « tout ce qui est oral est anal » D'accord. Donc en fait, quand on a des tuyaux qui prennent des bytes et qu'on n'est pas d'accord, enfin qu'on est d'accord sur les bytes entre le producteur et les consommateurs, et qu'à un moment donné, il y a le producteur qui le change et il y a un des consommateurs qui n'est pas notifié, il y a des gens qui ne sont pas contents. Donc si on est d'accord, on l'écrit. Et on l'écrit où? Dans un référentiel de contrat. Donc nous, ça s'appelle un schema registry, mais il y a d'autres composants, vous pouvez le faire le vôtre aussi, il n'y a pas de souci. Et donc on fait de l'avro là-dedans, pour gérer les compatibilités, pour dire je peux ajouter des champs, ou alors il faut que tout le monde puisse lire même le passé, ou alors des deux côtés, etc. C'est ce qu'on appelle les compatibilités ascendantes, descendantes, full, etc. Et ça, c'est fait avec Avro. Qui connaît Avro? Nickel. Qui peut expliquer Avro rapidement à quelqu'un? Qui connaît... Vas-y, oh, nickel, top, vas-y, go. Avro, c'est un format de données sous format JSON, qui contient aussi les types. C'est un format de données sous format JSON? Non. C'est un système de sérialisation de données avec un schéma sous format JSON. Voilà. Et schéma, tu le colles dans le schéma registry, et comme ça, tu sais exactement ce qui se passe. Et tu peux garantir, tu peux lire l'avenir, ou le passé, ou le futur, ou les deux. Voilà. C'est blague à part, c'est hyper important, parce que souvent, tout le monde part avec du JSON. JSON, ça marche nickel, parce que tout le monde comprend, c'est facile. Mais le problème, c'est que si c'est facile, ça va marcher. Et il va y avoir de plus en plus... Donc la nana, elle a mis du JSON, donc c'est cool. Et en fait, elle s'est coordonnée avec une équipe qui a lu A, nickel, bah, ils se connaissent. Et puis finalement, il y a une autre équipe qui, au café, a compris que c'était intéressant les données que cette nana a envoyées dans les brokers, et elle va également consommer. Donc là, tout le monde est content. Ils se connaissent. Donc là, supposons que c'est en version 1.
Donc tout le monde est content. Et au café, ils se coordonnent pour, tiens, moi je vais faire une version numéro 2. Et donc ces deux équipes-là comprennent qu'il va y avoir du 2, une nouvelle version, une nouvelle étape, donc pas de problème de désérialisation, nickel. Et puis les boss sont super contents, on augmente les cas d'usage, et puis il y a une autre équipe qui se ramène, et qui maintenant sait lire du 2. Donc ça fait du 2, ça fait du 2, ça fait du 2, ça fait du 2, nickel. Sauf qu'eux, ils se connaissent, parce qu'ils ont le même boss, ils sont à la machine à café, ils sont en coordonnées, nickel. Cette équipe-là, elles se connaissent. Elle veut gérer la version 3 en JSON. Bon, nickel. Version 3. Pas notifié. Pas content. Et pas de bol. En fait, c'était cette équipe qui ramenait vraiment le business. Et là, c'est la fête du slip. Moralité, vous voulez vraiment... Alors, c'est toujours difficile à choisir. Des fois, il faut ouvrir les portes, mais ça, on fait du JSON, on verra un peu après. Mais si vous avez vraiment, vraiment du business, la schema registry, c'est vraiment important. Pas forcément, je ne vous recommande pas forcément, je ne vous impose pas de le faire, évidemment, mais je vous recommande très chaudement, au moins, d'avoir une discussion avec vos équipes. C'est l'organisation de données, en fait. C'est important. KSQL. KSQL, c'est la pépite sur le haricot. Grosso modo, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Grosso modo, c'est faire du Kafka Stream sans avoir du Java. Donc ça ressemble à ça. Vous êtes d'accord? Mais il y a plusieurs boîtes. Il y a plusieurs boîtes parce que, en fait, il y a des partitions. Donc, Topic, c'est un agrégat de partitions. OK? Qui faisait des clés de sharding dans les bases de données il y a une petite dizaine d'années ou 15 ans? Clé de sharding, ça vous dit un truc? Ouais, pour les gens qui font les bases de données? OK. Ben, clé de sharding, clé de partitionnement, c'est la même chose. En gros, c'est faire les clés de sharding, c'était pour faire scaler les bases de données. On avait un espèce de format pivot. Tout ce qui est de A à B, ça va là, de C à D, ça va là-bas, etc. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une clé de partitionnement. Ben voilà, nous, on appelle ça des partitions. Donc, un topic, c'est un agrégat de partitions. Et quand je parle d'ordre, ici, c'est par partition. Qui est perdu? Oui, vas-y. Parfait, nickel. Nickel. Donc, comment est-ce que ça fonctionne pour garantir l'ordre et l'immutabilité? Donc, en fait, dans le design, on va répliquer les données. Mais si on réplique les données, donc en fait, je veux écrire A, super, et je me dis que la réplication, c'est 3. Ben, je vais faire vraiment ça en live. Merci pour ta question. Qui veut que je me mette en mode slide? Qui veut que je continue comme ça? Ça vous va? C'est bon? OK. Donc, je vais envoyer A. Et en fait, j'ai un topic, là, qui s'appelle ben, T. Il est répliqué 3 fois. Vous êtes d'accord? Parce que je veux une réplication. Réplication, c'est ISA, c'est là. En fait, on réplique les partitions. Donc, en fait, on va parler uniquement de la truc qui est tout en haut, la première boîte de 0, 1, 2, la partition 0. Donc, c'est partition 0, partition 0, partition 0. Donc, A doit écrire quelque part. D'accord? Ben, il doit écrire où? Il n'était pas. Ben en fait, il y a tout un système à base de Zookeeper. Qui ne connaît pas Zookeeper? Zookeeper, c'est en fait une base de données qui est hautement consistante et donc qui va capturer les métadonnées du cluster. En gros, l'état du cluster. Et dans l'état du cluster, en fait, il va y avoir des élections de leaders. Donc en fait, il y en a un qui est le leader. Les autres sont les followers. OK, d'accord. Donc, dans le contrat, donc là, il y a quelqu'un qui veut pousser A. En fait, il va arriver à découvrir par un protocole qui est dans le protocole Kafka, vous ne voyez pas, évidemment, qu'il va écrire dans le leader. Et les followers, ils vont
lire au cul du camion du leader pour se connecter et avoir, être toujours synchronisé, répliqué. Qui est perdu ou que ça fait sens? Ok. Nickel. Alors j'ai perdu ta question parce que j'ai oublié. C'était quoi la question? Ah oui. Donc il y a un truc intéressant. Donc on écrit ici. Donc si on écrit ici et que ensuite on écrit là, on peut pas parce que c'est le leader. En fait, on va si on doit lire. Donc il y a une nana qui est en train de consommer la partition 0. J'écris et je consomme. Et elle va toujours lire sur le leader. Moralité, on peut avoir de l'immutabilité et de l'ordre parce qu'on utilise le pattern de Single Writer Reader Principle. Qui connaît ce pattern? Qui ne connaît pas ce pattern? Désolé. D'accord. C'est aussi simple que si je veux faire une modification sur un élément mutable, une base de données, un fichier, je ne sais pas quoi, ça passe que par une seule personne. On n'est pas plusieurs. Et si on n'est pas plusieurs, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de lock. Et s'il n'y a pas de lock, on est rapide. Yeah! C'est un bon exemple. Vous êtes d'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, on est immutable, on est rapide, et c'est clair. C'est pratique. Alors, si cette machine, elle meurt, dans notre souffrance, quelqu'un a fait un kill moins 9, pas de bol, en fait, tout le monde est connecté à un zookeeper, et là, il y a une nouvelle réélection qui se passe, et on va dire, toi, maintenant, t'es le leader. Mais t'es uniquement le leader sur les réplicas qui sont bien évidemment synchronisés. Ça fait sens? Absolument. Tout à fait. Ouais. Alors, je vais faire un petit... merci, je vais faire un petit aparté là-dessus. Donc, en fait, vous êtes d'accord? Donc, je vous ai pas vendu ça parce que c'est pas moi qui l'ai dit. C'est vous qui l'avez dit, vous êtes d'accord? Donc, c'est moi, j'ai fait de la maïotique socratique. Et pourtant, il y a plein de gens qui se plantent. Je vous recommande violemment... parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de petits éléments à faire attention, de regarder sur le site de Confluent les white papers. Alors, c'est gratos, allez-y, qui résument plein de choses. En fait, vous avez ça de doc, et j'imagine que vous avez un vrai métier à faire, et vous n'avez pas le temps de fine-tuner la doc. Regardez les white papers, ça brosse les trucs les plus importants. Ne faites pas les mêmes erreurs que tout le monde. Ok, on parle de ça. Donc en fait, il y a plusieurs modes d'écriture. Il y a plusieurs modes d'écriture. Pour faire simple, donc là on parle de hack. Il y a le hack qui est UDP. Donc il y a quelqu'un qui fait j'envoie sur Internet, enfin j'envoie sur une trame réseau, puis advienne que pourra. Donc best effort. C'est rare que ça soit utile, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, il y a l'équivalent de TCP. Il envoie sur le leader, juste sur le leader. Le leader a capté la donnée. Le leader m'a dit OK, c'est bon, c'est nickel. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe si juste après qu'il m'ait dit OK, je l'ai récupéré, la machine elle meurt. Elle m'a donné, elle n'est pas répliquée parce que les réplicas, la vitesse de la lumière, ça existe. Hein, donc ça ne peut pas marcher. Et il y a un troisième qui est le mode réplication. Alors, dans notre contexte, on appelle ça all. Eh bien, il y a le leader, il attend que tous les followers soient à jour. Moralité, en fonction du type d'acquittement. Donc, si tu veux avoir la grosse patate, tu fais de l'IoT de psychopathe, tu fais l'UDP, parce que tu n'as pas vraiment le choix. Si tu as besoin d'aller très très vite, typiquement des logs, et la réplication, c'est au mieux. C'est éventuellement consistant, oui, pourquoi pas. Et si on s'appelle une banque, en gros, la plupart de mes clients, et tu veux tout ça, eh bien, ça, c'est non négociable. Nickel. Ouais. Non, ce n'est pas Cassandra. Cassandra a ça. Et on parlera sur la suite de Kafka, qui sera Kafka Next, où, en fait, en enlevant notre copain Zookeeper, on va pouvoir ajouter des features intéressantes de type de ce que peut faire Cassandra, que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Bonne question. Désolé, donc la question c'était est-ce qu'il y aura une écriture en quorum? La réponse est non, il faut que 100% des réplicas ils disent OK. Du coup c'était par rapport à ça et par rapport au nombre de messages conséquents qui peuvent être envoyés, est-ce que les réplicas ont tout le temps le temps de se mettre à jour et du coup est-ce qu'à un moment donné ils vont laisser le leader tranquille?
Est-ce qu'ils vont laisser le leader tranquille, c'est-à-dire? Tu nous as dit là en fait que le leader pouvait aller communiquer avec les autres uniquement lorsque les réplicas seraient à jour. Ouais. Mais si nickel. Donc ta question, ok, mais si je mets une énorme patate sur le leader, et comment est-ce que les followers arriveraient à suivre la danse, c'est ça? C'est ça. Nickel. Donc là, on va parler de la rapidité. Vous êtes d'accord? On parle un peu geek, un peu. Ok, nickel. Comment est-ce que ça marche une base de données? Vous savez, quand on fait un insert et on fait un commit, il y a une garantie. Qui connaît le mot acide? D'accord. Le D, ça veut dire quoi? Le D, ça veut dire qu'il y a un fsync. Qui ne sait pas ce que c'est qu'un fsync? C'est un flush de disque. T'as un truc en RAM, tu fais flush de disque, le disque il a, ouais c'est bon, tranquille. Et l'OS il fait ok c'est bon. Okay. Donc un commit c'est flush de disque. Kafka, il fait pas de flush. What? Attends, il y a tout ça, il y a des banques qui l'utilisent. Je suis arrivé tout à l'heure en Uber. Uber c'est Kafka. J'ai utilisé les trucs SNCF, Kafka, enfin Kafka c'est partout sans le savoir. Donc comment est-ce que ça peut fonctionner? What the fuck? En fait, donc j'ai mon A que je mets dans un leader. Je mets ça dans une VM. Vous avez, bon, on va dire c'est une machine, nickel. Donc en fait, ça, c'est du TCP. Bon, ok. Là-dedans, ben, j'ai un process. Bon, il se trouve que c'est en Java, JVM, tranquille. Donc là, il y a bien une connexion de mon truc TCP. Donc je prends, j'ai mon payload, je dis vas-y, hack. En fait, on va faire la rapidité et la réplication en même temps. Le Kafka, le broker Kafka, il va dire à l'OS, écoute, toi, tu as le page cache. Donc en fait, c'est un espèce de réplica de ce qui est sur le disque, grosso modo. C'est une espèce de zone en mémoire qui a un tampon vers le disque. Et ben, tu vas directement prendre ce qui est ici via la TCP et tu vas le mettre directement là-dedans. Un espèce de, comme si je faisais un happen dans un fichier, mais en RAM. Donc un happen en RAM en disant socket, tu prends la socket ici et tu mets sur le disque, c'est-à-dire que je ne stream pas les bytes dans la JVM, donc je n'ai pas de problème de GC. Donc je fais juste, je prends la TCP, je prends le page cache, démerdez-vous. Vas-y. Qui n'a pas compris? Nickel. Moralité, vous êtes d'accord que ça à ça, c'est de RAM à RAM. Il est très très rapide, il est très très vite. Ok, donc supposons maintenant qu'en fait le hack c'était hack leader et que je tue la machine. Donc il a dit ok, je tue la machine. La garantie de durabilité, que dalle, hein. C'est mort parce que c'était dans le page cache, c'était en RAM. Donc c'est tout pourri. En fait, la réalité c'est que la résilience, donc là tu as un follower, la résilience elle est assurée, donc ça je fais un copier-coller, je le mets ici, je le mets là. La résilience est assurée par la RAM des autres. Vous êtes d'accord? Donc si tu perds ton data center... Avec plaisir, on en parle après. Alors t'imagines bien que c'est les plus grandes banques du monde qui utilisent ça, donc ça fonctionne, on a des réponses. Hein. Ouais, mais on est client OVH, donc... On est... Ouais. Je crois pas que mes clients soient sur OVH pour l'instant. Ok, donc là, je vous ai parlé de la vitesse d'écriture. Est-ce que vous êtes convaincu que la rapidité d'écriture, au moins sur l'écriture, ça fonctionne? Parce qu'en fait, je fais de l'écriture en RAM, direct. Pour les followers, ils sont potentiellement sur des machines différentes. Oui, j'espère, sinon ça sert à rien. Voilà. Si tu mets tout ça là-dessus, ça s'appelle, Kafka, ça s'appelle un fichier. Non. Quand je dis machines différentes, c'est-à-dire que, imaginons qu'on gère les followers pas de manière physique mais de manière virtuelle et donc on a derrière un NAS commun, etc. Voilà, des choses comme ça. On reprend, mais c'est pas ça ma question. Ma question, okay. C'est que du coup, comme il y a du réseau entre les deux, même si je... Parce que si je comprends bien, ça veut dire qu'en gros, on replug le page cache dans la socket d'écriture réseau du follower. On va parler de la lecture juste après. On parle de... Excuse-moi, vas-y. Ouais, parce que du coup, au moment où ça écrit dans la RAM du page cache, ici, il y a la latence réseau pour aller attaquer la RAM des autres machines. Hein. Absolument. Ah oui. Et là, la latence est beaucoup plus importante qu'un bus de RAM. Donc Je confirme. Si on coupe à ce moment-là, on n'a pas encore répliqué, ou pas tout. Je confirme, mais en fait, l'acquittement est uniquement lorsque ceux-là, ils ont dit « Ok, c'est bon ». D'accord.
Mais comme le réseau est plus rapide que les disques... Alors, le réseau est plus rapide que les disques, certes, mais il n'est pas plus rapide que la RAM. Donc, grosso modo, tu veux un acquittement où il y a des followers sur des machines distinctes et tu l'as demandé, je veux que tout le monde soit à jour, oui, bah, tu vas payer ça parce que c'est une garantie qui fait sens. Si tu mets de la donnée à la con, genre des logs tout pourris qui ne servent à rien, bah, ça n'a aucun sens. Mais si tu mets des trades ou les trucs de Criteo ou vos données clients chez OVH ou vos données de trucs qui sont importantes pour vos clients, bah, c'est, la question ne se pose même pas. Tu dois avoir des garanties et les garanties, ça se paye. Oui, là, tu as du réseau, c'est payant. Oui, je confirme. Oui, mais ça coûte moins cher que du disque. Ça coûte moins cher que du disque, oui, c'est vrai, tout à fait. Alors maintenant, la question, donc, vous êtes d'accord qu'on a expliqué pourquoi l'écriture était rapide. Mais l'écriture, elle est rapide, c'est bien, mais si la lecture, elle n'est pas rapide, ça ne sert à strictement rien, on est d'accord. Eh bien, la réponse, elle est surprenamment simple. Elle est surprenamment simple. Moi, quand on l'a expliqué, j'ai fait « Ah putain, c'était que ça ». Donc là, en fait, c'est le temps. Ça, c'était dans le passé. Et dans un monde du stream, ben, en fait, on est dans le temps présent. Vous êtes d'accord ? On fait que d'avancer. OK ? Donc l'eau, ça mouille. Enfin, qui n'est pas d'accord avec ça ? OK. Donc on a toujours mes équipes là, qui sont en train de consommer. Et ces équipes-là, elles consomment les trucs en temps réel. Donc en fait... Par design, elle ne peut pas être en retard longtemps, sinon ce n'est plus du temps réel. C'est-à-dire qu'il y a un bug, il y a un problème réseau, il y a un disque queen, enfin je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas, vous êtes d'accord. Donc moralité, en général, mais en général c'est, genre, c'est violemment en général, c'est 99,999% du temps, on est toujours très proche d'ici. Vous êtes d'accord ? Qui n'est pas d'accord avec ça ? D'accord, donc on est tous d'accord. Eh bien regardez, vous êtes au final... dans le page cache, il est bien flushé sur disque. Très bien. Donc, il y a la résilience. Mais ça, c'est encore en RAM. Donc, en fait, la lecture se fait en RAM. Moralité, vous avez la vitesse de votre réseau. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin d'avoir de disque dur, de disque magnétique. Il n'y a pas besoin d'avoir de SSD. Ça poutre sa mère sans SSD. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours en RAM. Alors, il y a des patterns d'usage où on va revenir dans le passé pour reconsommer parce qu'on a trouvé un bug ou est-ce qu'on va faire une nouvelle analyse. Là, ben, il va peut-être y avoir des page faults, etc. Ça va être un peu moins rapide, il va falloir taper sur le disque magnétique. Mais en mode nominal, on est toujours au cul du camion. On est d'accord ? Bon, en réalité, est-ce que je vous ai convaincu que l'écriture était rapide par design ? Avec la réplication, elle est nécessaire. La réplication, elle, c'est la lecture. Et la lecture est rapide par design. Qui n'est pas d'accord ou souhaite que je continue là-dessus ? Qui n'est pas d'accord ? Qui est d'accord ? Onk, onk. On parle de ça. Qui a des multi-DC ? Parce que je peux parler de ça, mais en gros, on a une réponse, mais ce n'est pas forcément maintenant qu'il faut en parler. OK. Multi-DC, d'accord. Ça vous va comme type de discussion ou, ouais ? Cool. Donc, finalement, est-ce que vous êtes d'accord avec une bonne partie des éléments qui sont présentés ici ? Ça semble assez simple, finalement. C'est un espèce de... Donc, un topic, c'est un agrégat de partitions. Ouais, super. En fait, ça ressemble au pattern de base de données que j'utilisais il y a 15 ans, en fait. Avec des mots différents, comme d'habitude. OK. On dit que là, il y a les données qui sont arrivées au fil de l'eau. Alors, soit il y a du syslog, de l'IoT, du chain de capture, des gens qui pushent des trucs métiers, des gens qui font des trucs rigolos, qui sont à disposition des consommateurs, il faut bien valoriser la donnée en temps réel. OK ? Ça vous va ? Alors, maintenant, je vais aller un peu vite. Alors, j'ai le droit, parce que je vous ai mâché le travail. On ne peut pas en vouloir à des gens qui débutent dans l'écosystème de trouver qu'il y a plein de trucs et de plus vraiment savoir où commencer, trop de choses. Vous avez lu, j'imagine, plein de trucs là-dessus. Ben, c'est prêt à être utilisé. Alors, ce qui est encore mieux, c'est que donc c'est du Docker. Comme ça, vous n'avez pas de dépendance particulière. Et en plus, j'ai pris le temps de faire des ASCII-NEMA. Si le réseau veut bien... Oui, le réseau René est gangréné. On live.
Voilà, donc en fait, vous n'avez même pas besoin de l'exécuter, parce que en fait, je vous dis que ce que je dis, je vous le prouve, parce que j'ai fait une capture. Askinema, c'est très bien, je vous recommande d'utiliser. OK. Alors, bon, on a ça. Yeah! Comment on fait pour consommer? Ben, on regarde les signatures. Donc ça, c'est des signatures réelles. Hein. Qui est surpris du fait qu'on souscrit à un topic, qu'on pôle des messages, qu'on envoie des messages et qu'on flush des messages? Qui est surpris? OK. Donc on passe directement à la suite. D'accord. Donc en gros, c'est bas niveau. On parle d'un truc super simple. Alors le problème des trucs bas niveau, c'est que ben, vous avez des trucs bas niveau. Donc si vous faites un truc intéressant, proche du métier, ben, vous relevez vos manches et puis c'est à vous de le faire. Donc en gros, c'est à votre responsabilité de faire plein de choses compliquées. Tout à l'heure, je parlais de Kafka Stream. Eh bien, Kafka Stream, c'est un DSL. Qui ne connaît pas le mot DSL? OK, c'est Domain Specific Language. C'est un mot compliqué pour dire c'est une abstraction intéressante qui est fluide, intéressante, qui a des propriétés sympas. Donc en gros, on a fait le travail pour vous. Parce que, prenons un exemple concret. Donc on a un topic, par exemple, un topic de log. Bon, super. Dans le log, par exemple, j'ai un UID et j'ai un message. Alors typiquement, c'est ce que tu pourrais avoir dans les ES. On a un monsieur ES ici. Donc UID message. Donc j'ai plein de trucs ici. Je pourrais faire un code Java qui fait subscribe topic log. Poll. Ouais, super. Maintenant, si j'ai en fait une table avec des UID, donc je fais poll d'un côté, je fais poll de l'autre, puis le temps, ça marche comment? Et puis si je fais un truc particulier, je fais ah putain, et le temps de la montre, le temps de la gestion, le temps du payload. Si je fais des joins, il faut que je fasse de la RAM. Si je fais des agrégats, il faut que je fasse un état. L'état, il faut que je le stocke quelque part. Il faut que je le redonde. Qu'est-ce qui se passe si ma machine elle meurt? Bref, ça, c'est rare que ça soit utile, sauf que si ça fait sens pour vous, qu'on commence un truc très simple. Mais la réalité, vous voulez un truc qui ressemble à Kafka Stream, où en fait, on va faire directement les fonctions pour faire des filtres, des joins, etc. Et ça gère des choses intéressantes. Alors, il y a un autre truc, je vais arriver à un truc, une incompréhension qui est fréquente. C'est. Dès qu'il y a un concept de Kafka qui arrive, un truc qui s'exécute, ce n'est jamais dans le broker. Le broker, il fait byte in, byte out, réplication. Il sait faire que ça. Plus un autre truc dont on va parler. Les Kafka Stream, ça serait votre application qui a une lib. C'est une lib, c'est genre un espèce de guava. Enfin, importe Kafka Stream, c'est cool. Kafka Connect, ça sera une autre. Donc l'espèce de TL, ça sera un autre composant. La schema registry, c'est un autre composant. Donc c'est Java Manjar. Donc Kafka Stream, ça ne tourne pas dans le broker. C'est votre application, c'est à vous. Bon, super. Bah nickel. Mais j'ai dit que ça scale. Donc on a parlé des brokers qui scale, donc on a vaguement compris comment ça scale, mais les Kafka Stream, comment ça scale? Comment ça scale? Vas-y. Faut se démerder. Ben, non, parce qu'il y a plein de choses qui se font automatiquement, mais... qui connaît le consumer group? Donc là, il y avait consumer group, ici. Qui a envie d'expliquer le consumer group? Il est attendu le micro, genre c'est pour toi. Alors, un consumer group. Tu peux refaire le schéma avec le gars et la fille là? Ouais. Ce sera plus simple. Donc là, il y a des messages dans un topic, ou une partition d'ailleurs, enfin un topic. Exactement. Et donc là, il y a deux bonhommes, et en fait, on peut rajouter un troisième bonhomme. Et on va dire que le gars et la fille du dessus, c'est le consumer group A. Le gars du dessous,
Ah, si tu peux rajouter une petite fille, ce serait pas mal. Sur le, en dessous. Je mets une fille à côté. Ouais, une fille à côté. Et on imagine que le topic du dessus, en fait, c'est pas un topic, c'est une partition. Si tu peux rajouter une deuxième partition au-dessus. Voilà, ouais, très bien. Ouais. Bon, écoute, je vais le faire. et en fait, le groupe de personnes A et B, c'est des consumer groups. Donc A va prendre les messages, il va acquitter les messages. B va prendre les messages, mais indépendamment de A, il va vivre sa vie. Le groupe B va vivre sa vie. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc il y a un 1, 2, 3, 1. Enfin, là, tu as A, B, C, D, E. Là, tu as X. Donc ça, c'est un topic. Donc on en a parlé tout à l'heure, c'est un topic qui a un agrégat de partitions, partition 0, partition 1, partition 2. Bon, super. Alors maintenant, il y a un bonhomme. Il y a un bonhomme, ben il est tout seul. Il fait un groupe qui s'appelle A. CGA. C'est un groupe de 1. Ouais, super. Et donc, il va consommer. Il va demander à Kafka, je veux, s'il te plaît, consommer T. Alors Kafka, il va dire, tiens, un groupe que je ne connais pas. Ben, bonjour. T'as des copains qui arrivent? Ben non, je suis seul. Oh, pas de souci. Ben écoute, t'as le droit, je te propose de consommer 0, 1 et 2. Bon, ben, il consomme. En fait, pour être plus précis, il consomme comme ça. Comme tout à l'heure, il consomme. Il commence ici. OK ? Donc, il consomme, il fait pol, comme tout à l'heure. Hein. Et donc, il va se déplacer, il va avoir des données. Supposons qu'en fait, maintenant, en fait, ça ne va pas assez vite. Et je demande qu'il y ait quelqu'un qui joigne le groupe pour avoir plus de patates pour consommer des messages. D'accord ? Et donc, ben, lui, il fait je peux participer à la fête du groupe A ? Hop, 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 dis donc, groupe A, il y avait lui, là, qui était déjà là. Ben, écoute, ce que je te propose, c'est déjà, on attend de voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Non, il n'y a pas quelqu'un d'autre ? Ok, on y va. Ben, écoute, toi, tu vas prendre la partition 2 et tu laisses la partition à l'autre. Non, X, Y. Donc, lui, il avait déjà consommé le X. Donc, un consumer group, c'est plusieurs personnes qui se coordonnent pour lire des partitions. Et c'est un consommateur par partition. Qu'est-ce qui se passe si y a la nana là, qui joue un groupe? Donc, elle va demander à Kafka, hey, je peux lire T en tant que consumer group A? Qu'est-ce qui va se passer? Pardon? En fait, on va se coordonner, on va dire, bah, écoute, tu partages un peu, nickel, ok? Tout le monde est d'accord? Enfin, je veux dire, c'est un groupe, donc bah, on partage dans le groupe. Hey, je peux venir jouer avec vous? Qu'est-ce qui va se passer? Pardon? Bah, en fait, non, il va faire, hey, je peux jouer avec vous? Ben, ouais, tu peux être dans le groupe, mais tu fais rien. Parce que c'est single writer, single reader. Un reader, par partition. Ça enlève un nombre de bugs incroyable. Donc c'est super important. Du coup, tu pourrais expliquer la différence entre topic et partition? Je suis un petit peu perdu, moi. Pas de souci. Donc un topic est un agrégat de partitions. Alors ça, j'avais compris, mais concrètement, dans les partitions, tu mets quoi? Alors, j'avais cru comprendre... Toi, quand tu fais un push, un payload, ok, on va revenir sur comment ça fonctionne en vrai. Donc, tu as un payload, c'est du JSON. Gros JSON, ok, tranquille. Tu le mets dans topic T. Tu as deux partitions, parce que ça fait sens. Et c'est cool. Donc, tu fais un send, par défaut... En fait, il va faire une round robin. Il va le mettre sur la partition 0, donc tu auras le JSON ici. La prochaine fois, bah, il va en mettre un ici. Round robin, ok? C'est tout pourri. Enfin, c'est pas tout pourri, ça fait sens. Bah, pourquoi pas? Alors moi, je suis plutôt ops. On peut revenir un petit peu au dinosaure. Ouais. Comment tu crées ton topic? Kafka create topic.
Mais ouais. Tu spécifies le nombre de partitions, si j'ai bien compris. Tu spécifies le nombre de partitions, tu spécifies le replication factor, tu peux spécifier les mini-SR, tu peux spécifier la rétention, parce qu'en fait, l'historique, tu peux dire, écoute, j'ai une espèce de grande file de messages, et je veux uniquement une semaine. Ou alors tu dis, non, une semaine, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai très peu de données dans ce topic-là, parce que je veux une rétention en bytes. Je veux juste de 12 téra. Voilà. Mais en fait, tu as une fenêtre glissante. Et ça, tu peux le configurer sur le topic. Est-ce que ça fait sens? Et une fois que c'est créé, on peut le changer, mais ça a un coût. Non, ça n'a pas de coût. Enfin, ça va dépendre des propriétés. Par exemple, si tu ajoutes des partitions en temps réel, ça ne pose aucun problème. En revanche, si tu avais demandé l'ordre, ben, ton ordre, il va pas être garanti. Hein. Ça, c'est garanti que ça ne marche pas, en fait. Donc, en fait, quand tu fais de l'ordre, c'est toujours important de savoir combien de partitions tu veux faire. Il y a un blog post sur Confluent qui parle de ça. À l'arrache, il n'y a personne qui est d'accord dans la boîte. Ce que je vous recommande, vous mettez 42 et ça fera le job. Voilà, partition 42. Il vaut mieux sur-partitionner que sous-partitionner. C'est important parce que justement, si pas de bol, vous avez une partition où il y a besoin d'ordre, il y a besoin de faire un peu plus de danse un peu pénible. Mais s'il n'y a pas besoin d'ordre, comme la plupart des topics, tu ajoutes une partition et c'est en temps réel, tranquille. Quand tu dis qu'il y a une semaine de rétention et tout, ça veut dire qu'il y a une éviction, ça veut dire qu'il y a un autre process qui est écrit. En fait, c'est dans le broker. Ouais. Ça s'appelle un log cleaner, comme Cassandra. Tu parlais de Cassandra, bah c'est pareil. C'est des tombstones qui sont mis, puis après il y a un truc qui met. Le tombstone, c'est pour gérer la suppression. Donc j'ai dit que c'était immutable, sauf dans un topic qui s'appelle compacté. Okay. En fait, tu vas mettre un payload, parce que dans, en fait, le payload, tu peux avoir une clé, des headers et un message. En fait, la clé va déterminer où ça se passe dans la partition. Les headers, bah, c'est les headers. Et le payload, bah, c'est le payload. Et j'ai oublié ce que tu avais dit. Dis-moi ce que tu avais dit. De quoi? Ah oui, la suppression. Ouais, la suppression. Donc en fait, il y a des topics que tu vas dire être compactés. Et quand tu pousses une clé, donc, par exemple, Florent, il a 1 an, il a des cadeaux. Florent, il a 2 ans, il a des cadeaux. Florent, il a 3 ans, il a des cadeaux. Et tu peux dire, bah, en fait, Florent, bah, il a dit GDPR. Bon, ben, pas de bol, il faut que je supprime mes éléments. Tu dis Florent, nul, et là, ça veut dire delete. Mais c'est uniquement pour un topic où tu as dit que tu veux gérer les nuls pour supprimer toutes les valeurs liées à une clé. Encore une fois, tout ça, ça fonctionne chez des énormes boîtes. Vous avez des use cases particuliers, j'imagine qu'on les a déjà gérés. Ensuite, pour la GDPR, souvent, on fait de la crypto-shredding. Pour ceux qui veulent en parler, ça sera tout à l'heure si vous voulez. Mais du coup, au moment où tu fais ton nettoyage, il y a un lock particulier? Non, ça se fait pas sur... Donc en fait, merci pour la question. Donc tu as une topic, c'est un agrégat de partitions. Une partition, c'est un agrégat de segments. Et un segment, c'est un agrégat de fichiers. Oui, parce qu'à un moment donné, on stocke dans les fichiers. Hein. Donc en gros, tu as les data. Et puis, tu as les trucs d'index, des fichiers d'index, pour des raisons particulières, machin. Donc, grosso modo, tu peux dire, ça, c'est mon topic, j'ai ma partition qui est en N segments, dont tu peux gérer la taille, et en fait, les log cleaners vont se faire sur les derniers, pas là-dessus. Bah, sinon, bah, t'es un peu... non, ça marche pas. Sinon, tu as cassé le truc qui fait qu'on a ses propriétés. Donc, t'es convaincu? Faut voir. Ça veut dire non. Ok, bon, je me suis perdu. Ça t'allait? Oui, très bien. D'accord. Donc, moralité, je vous ai dit que le Kafka Stream, c'était une abstraction en fait, du code au-dessus des consommateurs. On vient de voir tout à l'heure comment est-ce qu'un consommateur scale. Bah, Kafka Stream, bah, c'est juste au-dessus d'un consommateur. Donc, ben, tu scales pareil. Alors, normalement, c'est juste, ça défonce. Hein. Je reviens sur qu'est-ce que c'est que Kafka. C'est byte in, byte out, réplication, et en fait, un protocole de coordination. Donc ça, c'est vachement important, parce que tous les petits bonhommes là, qui disaient « j'ai un groupe, je sors du groupe, je rentre dans le groupe », etc., c'est de la coordination. Grosso modo, gratuitement, vous avez créé un cluster. Qui n'a jamais travaillé des clusters? Tout le monde a travaillé des clusters. Vous avez bossé avec quoi? Par exemple, en haut, vous avez bossé avec quel type de cluster?
Non, vous ne voulez pas répondre ? CouchDB. CouchDB, ok. Je ne sais pas, Elastic, ce n'est pas un cluster, par exemple ? Zendisco, en fait, il y a un protocole de coordination, il y a Zookeeper et machin. Et en fait, on va réutiliser un protocole qui est standard, qui est documenté pour faire des trucs intéressants, dont ça. Donc, en fait, on arrive à faire des clusters à pas cher. Et l'alternative, c'est d'avoir des clusters de type Spark, de type Hadoop, qui sont super difficiles à maintenir. C'est vraiment piste noire, c'est super chaud à faire. J'ai fait ça parce que moi j'étais ops et dev sur ce genre de choses. C'est super compliqué, mais je pourrais revenir après si vous souhaitez. Donc avant, on avait donc la grosse boîte là-haut, ça serait un Kafka Stream ou un Spark ou un Flink. Donc ce sont des processing clusters. Dans le mot processing cluster, c'est juste process, il n'y a pas de storage. Donc en fait, on va récupérer souvent de la donnée de Kafka, bon, pour récupérer d'autres trucs, hein, évidemment. On met le job à un artefact technique qu'on a implémenté à la maison, on le file à une équipe qui s'occupe du processing cluster, qui se charge de le poser sur les machines, donc ça processe, mais comme ça ne fait que processer, il faut bien le stocker pour le consommer. Donc on va pousser les résultats dans une base de données, nickel. Et moi, en tant que consommateur du résultat du processing, je vais consommer le résultat dans la base de données. Qui ne trouve que ce n'est pas logique ? Qui trouve que c'est plutôt une bonne idée ? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. D'accord. Je vais préciser par rapport à tout à l'heure, parce que c'est pas ce que j'ai dit, mais justement, c'est ce qui m'a fait la différence entre Spark et Kafka Stream. Parce que je viens de te présenter le fait que si tu veux scaler, tu fais Java moins jar. Ah, je gagne. Ah bah oui, non, sans doute. Alors, c'est une très bonne question. Donc, comment est-ce qu'on gère le scaling dans Spark, etc. La difficulté, elle n'est pas technique. Spark, c'est du super bel ouvrage. Flink, ça marche super bien. C'est une question d'organisation. C'est difficile de base dans les grosses boîtes. C'est la misère. Si les ops et les devs ils sont ensemble, enjoy. Easy. Tranquille. En revanche, si tu es dans une grosse boîte, c'est la misère. J'ai essayé pour vous, c'était pas rigolo, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, pour revenir, comment est-ce que tu scales ? Tu scales avec Yarn. Qui connaît Yarn ? Qui aime Yarn ? Ah, tu t'es posé la question. D'accord. Enfin, en fait, c'est super chaud de faire la multitenancy avec Spark et Flink, c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile quand on fait du stream, parce que si on fait du stream, on fait du temps réel. Si on fait du temps réel et on fait du yarn, en fait, c'est pour voler des ressources aux autres. Et si on vole des ressources aux autres et on est en temps réel, ça veut dire que le temps réel de l'autre, en fait, il devient moins temps réel pour que moi, je devienne temps réel. Donc, par construction, c'est quasiment un syllogisme. Moralité, on doit faire du capacity planning. Mais si on fait du capacity planning, on n'a pas besoin de ça. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir d'experts sur yarn. Et genre, c'est un peu bizarre quand même. Je suis allé un peu vite, mais ce que je veux dire, c'est que le coût est extrêmement important sur les clusters de processing. Et c'est indépendant de leur qualité technique, qui est indéniable, il n'y a aucun problème. C'est souvent une question organisationnelle, qui est un tabou, d'ailleurs. Alors, je peux en parler maintenant. Mes clients sont des gens qui ont besoin de ça. Donc la donnée, elle est stockée sur un endroit où je pense que je vous ai convaincu que les qualités, elle est là, et qu'on peut inférer de pourquoi est-ce que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, c'est pas beaucoup plus que ça. Je peux aller dans des détails à la noix, mais l'esprit est là. Suppose maintenant qu'en fait, tu as besoin d'ordre parce que tu fais de l'event sourcing sur de l'argent. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut consommer la donnée une et une seule fois ? C'est non négociable. Ouais ? Non négociable. Voilà. Spark n'arrive pas à bien le faire. Donc ils vont y arriver parce qu'il y a une nouvelle version qui va faire un truc encore mieux. Mais actuellement, on a des clients qui font de Spark vers Kafka Stream parce que Kafka Stream gère de l'exactly once. Et également, certains clients font de Spark vers Flink parce que si tu veux faire de l'exactly once, actuellement, c'est Kafka Stream ou Flink. Après, Flink est un processing cluster. Donc, si ça fait sens pour toi, c'est cool. Mais il y a un nombre de tabous autour des processing clusters qui sont assez importants. Je pourrais t'en parler tout à l'heure, si tu veux. Donc, ça, c'est avant. Donc, tout le monde était d'accord que c'était bien. Est-ce que ça, c'est bien ? Qui trouve que c'est mieux ? Qui trouve que c'est pas mieux ?
D'accord. Donc en fait, comme ce n'est pas un processing cluster, c'est juste une lib qu'on récupère, bah c'est juste, bah on met tout en un seul ensemble. Alors on va dire, ouais, mais monolithe, microservice, ouais, non, okay, la réalité, c'est qu'on va faire un truc simple d'abord. On va ouvrir la porte business, on va répondre à des besoins, et ensuite on verra. Des fois, en fait, on commence par ça, et on va là-bas. Revenons là-dessus, parce qu'on va parler juste deux secondes de tabou, vu que tu m'en as parlé. La réalité, c'est que, en fait, effectivement, il y a un job à donner à l'équipe qui est là-dedans. Bah, pourquoi pas, on y arrive, on y arrive très bien dans le monde du batch. Donc déjà, ça veut dire qu'on doit coordonner son équipe avec une autre équipe. Bon, c'est toujours un peu difficile, etc. Ensuite, c'est un processing cluster, donc c'est un framework dont vous ne gérez pas le class loader. Qui ne connaît pas les class loaders ? C'est la façon dont on a à accéder les librairies disponibles dans le ClassPass. En gros, tu as des libs, et tu n'as les libs que de celles qui viennent du class loader. Et le class loader, en gros, celui qui gère les libs, en fait, c'est le processing cluster. Donc en fait, tu as des problèmes de libs, c'est juste chiant, en fait. C'est pénible. En plus, c'est distribué avec un système particulier et on a besoin que les objets soient serialisables. Donc, essayez de faire il y a plein de trucs intéressants. Ensuite, il y a une autre réalité, c'est que, regardez, Kafka, il y a une flèche vers la droite. Donc, c'est juste consommateur. Et là, pour les gens qui sont bien efficaces, on a vu qu'il y avait deux flèches. Pourquoi est-ce que là, il y a une flèche et là, il y a deux flèches ? En fait, il y a une espèce de tabou, c'est... pour qu'on aille vite, on a besoin d'avoir un checkpointing. Un modèle de streaming, ça sert à quoi ? Ça sert à exécuter des DAG en temps réel. Je vous l'ai fait simple, mais je vais juste vous donner l'idée générale. Dans la réalité, c'est un petit peu différent. Donc, on a de l'input. Alors là, on a une fac, ça fait complètement sens de faire ça. Donc, on a un modèle comme ça. Output. D'accord. L'objectif d'un processing cluster, c'est d'exécuter ça. L'objectif de Kafka Stream et de Flink et de Spark Streaming, c'est de vous donner les moyens de décrire un truc qui ressemble à ça et de l'exécuter. Tout le monde est d'accord avec ça ? Ok. Maintenant, vous êtes d'accord que ça doit se faire en temps réel. Supposons que ça, c'est un truc qui est très gourmand en CPU. C'est super gourmand. Non, pardon. Celui-là, il est super gourmand. Lequel on va faire ? Oui, celui-là, il est super gourmand en CPU pour que ça soit plus sensé. Donc, c'est très gourmand en CPU. Donc, j'exécute ce truc-là parce que je suis malin avec Spark, je vais faire ça en parallèle. Je fais ça en parallèle. Donc là, j'attends que ce processing-là soit exécuté. On est d'accord ? Et donc là, je viens de passer ce truc-là. OK ? Je viens de l'exécuter. Ce qu'on va faire, on va faire un checkpoint. Pourquoi ? Parce que comme ça prend du temps, si jamais ici, ça meurt... Eh ben, je ne veux pas avoir à réexécuter tout le DAG. Okay ? Ça fait sens ? En gros, ben, vous voulez garantir des trucs, de ne pas réexécuter des trucs parce que vous voulez aller vite. Et le checkpointing, c'est un état. Et l'état, il faut le stocker. Et dans les processing clusters, c'est stocké dans HDFS ou dans S3. Donc c'est encore une autre équipe. Donc en gros, quand tu es au cul du camion et que tu es en prod et que des trucs qui ne vont pas bien, tu dis ça à RAM, tu as besoin de parler à une équipe qui s'occupe du processing cluster, qui n'est pas expert en ton domaine. Et en plus, ça, il doit se coordonner également avec des problèmes de NAS. Je ne parle pas de la sécurité, je ne parle pas du monitoring, je ne parle pas de multi-tenancy, je ne parle pas de plein d'autres trucs. C'est difficile. Il y a les rewards, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien. Il faut juste comprendre ce que ça veut dire. Et il y a un truc qui est un autre tabou que j'aime beaucoup, et je m'en suis rendu compte, j'ai réussi à trouver pourquoi est-ce qu'on ne se comprenait pas. Donc en fait, j'explique ce truc-là. Donc là, on doit faire de l'argent, on doit valoriser de la donnée. Bon, bah super, en temps réel. Donc, on va le filer dans un processing cluster, dans une équipe. Donc, bah, très bien, on va donner ça. Donc, c'est en mode serial, normal, on va se coordonner avec une équipe, bah, on sait faire ça. Cette équipe-là, elle va mettre votre processing dans le processing cluster, ça fait du processing cluster, pas de souci. Donc déjà, ça veut dire que ça, c'est vraiment une équipe qui a besoin de faire un truc en processing. Donc équipe, toujours deux équipes, c'est un peu difficile. Maintenant, la réalité, c'est que pour que ça soit valorisé, il faut une autre équipe. Ben, pas de souci, elle fait aussi des sous. Elle doit se mettre là-dedans, donc ça veut dire une coordination. Donc c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc il faut faire ça maintenant. Donc maintenant, il y a les problématiques de serialisation, problématiques de class loader, mais on va y arriver. Bon, pourquoi pas. On est en version 1, c'est cool.
Maintenant, on a des problèmes au run. Donc, problème de mémoire, problème de CPU, je galère, etc. Donc, capacity planning, c'est difficile, etc. Mais on y arrive. Ensuite, on a les problèmes de perf. Maintenant, il y a une autre équipe qui fait de l'HDFS, du NAS, du S3, etc. Donc, c'est une autre équipe. Donc, maintenant, il faut, si tu as un problème en prod, il faut coordonner cette équipe-là, cette équipe-là, cette équipe-là. Il faut que cette équipe-là, elle soit efficace pour comprendre ce qui se passe ici. Parce que c'est fluctuant, c'est temps réel. C'est du stream unbounded. Donc c'est difficile à gérer. Maintenant, on dit, bah, écoute, j'ai trouvé mon bug, je vais être plus efficace, j'ai besoin de la version 1.1. Bon, pas de souci, 1.1, tu dois y arriver. Désolé, c'est eux qui font le plus de sous. Donc non, tu n'auras pas 1.1 achevé. Qui a fait de l'hibernate dans du JBoss et dans les machins où on ne pouvait pas réverser les classes loader? Qui a eu envie de vomir 23 fois? Ça m'est arrivé, c'était vraiment pénible. Ben là, c'est la même chose. C'est ce que ça veut dire, en fait. Bon, il y a des moyens circonvolués, mais on est en train de péter les produits, c'est pénible. Lorsque c'est la même équipe, quand c'est la même équipe, tous mes arguments n'existent plus, on est bien d'accord. Là, c'est plus organisationnel qu'autre chose. Et puis, je ne vous ai pas parlé du tabou. Et c'est ce qui me plaît le plus. C'est pour ça que ça ne me plaît pas. Techniquement, c'est brillant, il n'y a pas de souci. Hein, et ça fonctionne, vous pouvez y aller, pas de problème. La réalité, c'est qu'en fait, quand j'ai parlé de ça, donc j'ai parlé du petit élément du stream. Je dois valoriser un truc en temps réel. OK. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas ça. La réalité, c'est que j'ai un projet où je fais de l'argent. Enfin, c'est ça que je dois faire. Je dois faire un système complet où il y a un petit élément de streaming qui est à côté d'une base de données, d'un Spring Boot, d'un Node, d'un pack base, etc. Et donc, en fait, je suis en train de faire un truc hyper compliqué. Et je me prends les points d'achoppement du système pour pouette. Alors la réalité, ça aussi c'est un tabou, vous êtes d'accord que dans le monde du processing cluster de batch, on peut avoir des requêtes Hive, Drill, Impala gigantesques, et on peut pas faire sans ça. Nickel. Enfin, je ne sais pas faire, je n'ai pas d'alternative, je sais faire que ça. Sinon c'est Exadata, mais c'est très cher. Donc en fait, dans le monde du batch, c'est nickel. Mais dans le monde du temps réel, par nature, on ne peut pas faire un DAG de psychopathe qui va faire 23 minutes. C'est par construction. En fait, la réalité, c'est que souvent, on fait un map, filter, deux joins, et c'est des queues de cerises. Qui n'est pas d'accord? Qui pense qu'en fait, il y a des DAG compliqués? Alors, il peut y avoir du processing extrêmement performant. Par exemple, on va faire du machine learning, mais on crée le modèle dans un truc de batch. On génère le code qui exprime le modèle, mais ça, c'est rapide. C'est temps réel. Moralité, on s'embête pour des trucs simples. Souvent, c'est map, filter, join, etc. J'ai convaincu que c'était intéressant ou qu'à minima, il fallait raisonner de façon plus systémique et pas juste technique, parce que technique, c'est nickel. Cette histoire de streaming temps réel qui finalement n'est pas si compliqué que ça, on peut le faire très compliqué, il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire un truc dégueulasse, c'est possible. Mais c'est un espèce de tabou, en fait. Il faut vraiment voir toutes les contraintes au regard d'un truc qui n'est pas si compliqué que ça. Ah mais justement, à part la DSI au chômage, t'as des cas d'usage que tu ne peux pas appliquer même à l'avenir, en fait, si tu veux partager du UML ou des choses comme ça, en fait, tu ne peux pas faire ça immédiatement. Non, désolé, ça ne marche pas. Non. C'est une question principalement... Je comprends ta question. C'est pas une question de technique. Parce que tu feras la même chose dans Spark, à peu près, et dans Kafka Stream. Et, ah oui, il y a un autre truc que je n'ai pas dit. C'est que donc, là, je suis en train de dire Flink, Spark Streaming, c'est pas bien. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. Déjà, je dis que c'est un problème d'organisation. Et un truc, non seulement je dis que c'est pas bien, je dis qu'en fait, Spark Streaming, Flink et Kafka Stream, c'est le même programming model. T'enlèves des machins à droite, à gauche. Toi, tu gères mieux ça, moi ça, machin. Mais en tant que développeur, c'est la même chose. Et d'autant que je pense que je vous ai montré qu'on ne fait pas des trucs très compliqués. Donc en fait, la réalité, c'est que dans la vraie vie, dans ce que moi j'ai pu voir, on n'a pas besoin d'avoir des trucs très complexes. Dans le monde du batch, si. Tu veux l'équivalent d'un Spark dans le monde du batch. Kafka Stream, batch, c'est juste pas adapté du tout. Mais dans le monde du stream, je remettrai en question chaleureusement ça. Et il se trouve que je bosse avec une boîte en ce moment qui fait du machine learning et qui justement se bat pour ne pas utiliser cette boîte-là chez un énorme client que tout le monde utilise. C'était clair ?
Bon, c'était un peu pénible parce que c'est l'organisation, mais c'est hyper important parce qu'on gagne les projets, pas sur la technique, hein, mais sur les hommes hein, et les femmes. C'est vraiment important. Hein. Kafka n'est qu'un outil technique. Donc, qu'est-ce que fait Kafka Stream ? C'est du Java, donc ça marche souvent partout. Donc, le clustering est fait pour tout le monde. Ben, on a vu comment est-ce que ça fonctionne. Ce n'est que ça, hein, gestion des groupes. Exactly Once, donc je l'ai abordé rapidement. Donc Kafka Stream fait l'Exactly Once. Donc dans Kafka Stream, vous êtes une propriété qui s'appelle Exactly Once. Vous dites oui, vous avez l'Exactly Once. Donc si vous faites de l'agrégation distribuée sur de l'event sourcing, c'est non négociable, vous l'avez. Nickel. Donc Spark Streaming le fait très 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 mal, voire il ne le fait pas. Flink le fait. Alors l'Event Time Processing, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc le temps, c'est très particulier parce qu'on parle de. On parle de quoi ? Regardez. Il y a 1, 2, 3, 4. Et je les consomme. Et je les consomme. Et le temps, c'est le temps de la consommation, c'est-à-dire le temps de la montre. Le temps de l'ingestion dans Kafka. Le temps de la production dans Kafka. Ou le temps qui est dans le payload du message. Ouais ? Donc il faut choisir sa dimension temporelle. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas faire votre Kafka Stream à la maison. Enfin, vous pouvez, hein, mais bon, ça prend du temps. Je crois qu'il doit y avoir 7 doctorants qui travaillent dessus. Alors, il y a une base de données pour vous dire combien Flink et Kafka Stream, c'est similaire. C'est la gestion d'état interne, parce que quand on fait des agrégats, etc., il y a besoin d'un état qui est répliqué, redondé. On utilise... comment ça s'appelle déjà RocksDB, comme Flink. On peut faire du joining, du windowing, de l'agrégation, je vous en parlerai un petit peu après pour voir ce que ça fait. Alors, truc très intéressant, je vous ai parlé, Criteo, il y a beaucoup de trucs, place de marché, 6 millions par seconde, etc. Mais moi, je suis très très loin de ça. Maintenant, on a des clients qui ont besoin de tout ça, pas forcément la scalabilité parfaite, mais la solidité et les garanties, et la réplication, et la scalabilité, et les trucs qui sont là, les trucs un peu corporate. Et donc, c'est un client où j'étais pas, quelques mois, eux, ils font des lunettes, et c'est genre 10 000 messages par heure. Donc, ça fonctionne pour des scales de psychopathes et des scales normaux. En fait, comme c'est Java moins jar qui gère le truc, ça fonctionne. Alors, j'ai l'histoire vécue. Donc, j'étais à la BNP. J'avais à ce moment-là, c'était 6 Tera par jour. Et j'avais un cluster de machines de psychopathes. Vraiment, c'était des machines, je crois que c'était 40 et quelques cœurs, 720 gigas de RAM. Et j'en avais 6. 2, 3, 4, 5, 6. Genre, chacune coûte 23 salaires, d'accord. J'avais un cluster de Storm. Donc c'était 6 Tera par jour. C'était genre quelques dizaines de milliards d'événements par jour. Non, vachement plus. Enfin, moi j'ai oublié. Donc j'avais du Storm. Ensuite, j'ai un peu galéré, j'avais besoin de faire des trucs. Et puis tout le monde expliquait que Spark Streaming était vachement bien. J'ai fait bon, c'est pas grave, je vais utiliser Spark Streaming. Donc en fait, j'ai mis Spark Streaming et c'était franchement bien. Le modèle de programmation, juste moi, en tant que développeur, j'ai implémenté, je faisais map, filter, machin, c'était nickel, je disais c'est cool. Ensuite, j'ai regardé le DAG. En fait, j'ai fait l'implémentation by the book, hein. Map, filter, flat map, reduce, collect, machin, nickel. En revanche, le DAG, il était sacom, et ça allait pas vite. Alors, il se trouve que je fais un peu de performance en général, et je regarde dans Spark, je dis mais what the fuck, sans déconner, je fais pas des trucs très compliqués, ça prend beaucoup de temps. Ensuite, j'ai fait Storm, j'ai dégagé Storm. Donc, je suis passé sur Spark Streaming. Ensuite, je suis passé sur Kafka Connect, qu'on va voir tout à l'heure. Je n'avais rien compris à ce moment-là. J'ai fait, c'est tout pourri. Ça dégage. Je vais passer directement un truc au-dessous. Et j'ai fait Kafka Stream. Bon, le métier, je l'avais bien isolé. Donc, je pouvais tester des produits différents du marché. Comme ça, je pouvais voir en temps réel. Et en plus, j'avais Kafka. Et comme j'avais Kafka, j'avais l'historique, donc je pouvais taper dans la prod, être un consommateur de la prod, tranquille. Et donc j'étais sur mon poste BNP Windows avec les firewalls, les antivirus et machin, et pas beaucoup de RAM. Et je trouvais que c'est bizarre, hein, je comprends pas, il y a un truc qui va pas, ça a l'air d'être trop vite, trop rapide. Machine pourrie versus l'Armada,
Et j'ai demandé au mec du firewall de dire, tu peux me brasser ma ligne, mettre sur le switch et me mettre en gigabit. Il m'a dit, pourquoi ? Bah, je veux tester un truc. OK. Voilà, PC pourri, je pouvais faire la prod. Je déconne pas. Voilà. Donc en fait, c'est pas parce que le Spark Streaming n'était pas bien, c'est que la façon dont j'utilisais n'était pas adaptée. Et en fait, j'ai compris, en fait, j'ai optimisé le Spark Streaming pour pouvoir le faire marcher sur une seule machine. Pas de souci. En revanche, j'ai juste pété le bras au modèle de Spark Streaming. Ce que j'ai fait en gros une espèce de co-groupe qui est... OK, il y a des moyens d'aller très vite avec Spark Streaming, c'est tout à fait possible. En revanche, c'est pas facile à faire. Et puis j'ai galéré également avec les class holders, avec la gestion de la serialisation et sur les des singletons distribués qui sont difficiles à faire. Donc là, c'est juste pour vous montrer que le DSL, il est simple. Et il y a deux mots différents, stream et table. Donc qui a peur de ce type de code ? Ben, il faut pas. Donc, je prends un truc, je stream un topic avec des Serdes. Serdes, ça m'a surpris. J'ai fait Serdes. Attends, encore un truc compliqué à faire. Non, Serdes, c'est serializer, deserializer. Voilà. Donc, après, j'ai fait, ah putain, je suis un demeuré, c'était rigolo. Voilà, donc super. Donc, je stream ce truc-là et je map les valeurs avec un string to uppercase. Voilà. J'imagine que vous savez ce que ça va faire. En dessous, ah, catable. Ah, tiens, c'est quoi Catable ? Alors, vous allez trouver dans la littérature la dualité stream table. Oui. Alors, ça s'appelle un upsert, en fait. Là aussi, j'étais un peu perdu avec le vocabulaire. Je fais, putain, j'ai dû louper un truc. Donc, on prend l'exemple de Florent avec les anniversaires. Donc, il y a Florent. Et il a, sur la table anniversaire, on va dire, Florent, il a un an. J'ai un payload avec des cadeaux. Ensuite, Florent, il a 2 ans avec des cadeaux à la con. Florent, il a 3 ans. Bon, il a juste un cadeau parce qu'il a fait chier, etc., etc. Donc, j'ai tout l'historique. J'ai combien ? J'ai 42 ? Non, 3. Je ne sais pas. Ouais, j'ai 40. Hop. Donc, j'ai tout l'historique. Donc, je stream. Donc, ça pourrait être en temps réel, genre le nombre de battements de pouls, etc. Donc ça, c'est bien tout l'historique. Je stream tout ce qui se passe. Ça peut m'intéresser de revenir dans le passé, voir ce qui s'est passé, etc. Tranquille, vous êtes d'accord. Mais j'ai peut-être également envie de voir uniquement la dernière valeur, parce que l'historique de Florent, ben, ce qu'il avait quand il avait un an, je m'en fiche un peu. Ce que je veux, c'est voir tout de suite ce qui se passe. Et donc ça, c'est une stream. Et Florent, il a 40... Et il a 3 cadeaux, c'est une table. Grosso modo, stream, c'est tout l'historique. Vous appliquez un upsert séquentiellement sur l'historique, vous avez une table. Voilà. Ça s'appelle la dualité stream table. Qui trouve que le mot est compliqué pour pas grand-chose ? Ouais, c'est un upsert. Voilà. Donc stream, c'est tout l'historique. Catable, c'est un upsert. Donc c'est un upsert, donc il faut forcément une clé, hein, sinon ça ne marche pas. Donc, on a parlé de l'API de base, Kafka Stream, ensuite Kafka Connect. Qui connaît la stack Elastic ? Tout le monde lève la main. Oh, qui ne connaît pas ? Vous ne connaissez pas ? D'accord, vous êtes fatigué des bras, c'est ça ? Ok, donc la stack Elastic, elle est vraiment super bien, et il y a un produit que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs s'est amélioré, c'est Logstash. Qui ne connaît pas Logstash ? Nickel. Ok. Alors, j'ai mis longtemps à apprécier Kafka Connect, et je vais vous montrer comment est-ce que j'ai compris, quand j'ai compris vraiment quand est-ce qu'on utilisait un Kafka Connect. Donc, supposons que je travaille avec quelqu'un, donc il y a une énorme base de données, et je lui dis, ben, écoute, là, il y a un gros Kafka, est-ce que tu peux me récupérer, tu peux me streamer en chaîne de capture, par exemple, la table T. Et moi, je fais, hop, pas de problème, Logstash, je te fais ça, réellement, c'est 3 lignes. Et si vous les mettez à la ligne, c'est un Logstash-E, crochet input, JDBC, table, virgule, user, mot de passe,
closing bracket, et ensuite output Kafka topic done. Donc torché dans une ligne. Mais une ligne, c'est vraiment c'est une ligne, nickel. Donc moi je suis super content, lui il est content, il a connecté ça, il a fait ça, nickel, easy. Et moi je fais, ben, ah c'est vachement bien parce qu'il y a des gens qui consomment la donnée maintenant, ils en veulent plus. Est-ce que tu peux me mettre également la table 2 et 3 moi je fais, ben oui, ben, pas de souci. Hein. Je te mets ben, une ligne, et puis je, dans la conf, je mets 1,2,3. Ben, moi je suis hyper content, lui il est hyper content, eux ils sont hyper contents. Et maintenant, en fait, il y a vraiment plein de gens qui font des trucs intéressants avec ces trucs-là. Et moi, je fais, ben, écoute, ben, franchement, c'est une réussite. On a vu les bénéfices de Kafka, tout le monde consomme, ça va vachement vite, on fait du CDC de partout. Maintenant, en fait, je veux toute la base du CRM. Ouais, il y a 457 tables. Et là, il fait, oh putain, qu'est-ce que j'ai pas fait? D'accord. Alors, comment est-ce que vous feriez? Bah, vous avez 457 tables, enfin, vous savez le faire en une seule ligne, en logstash. Tu fais 457 lignes ? Tu fais 457... Alors non, parce que c'est un peu violent, côté RAM, logstash, c'est un peu violent. Pardon ? Donc tu vas diviser, en fait, tu vas faire un de 1 à 200, t'en fais un deuxième de 201 à 400, et un troisième de 401 à 457, d'accord ? Tu vas splitter en tâches, grosso modo. Donc en gros, il va y avoir trois logs tâches. Sur la même machine ? Non. Bah, donc tu vas le mettre en espèce de cluster de N machine, d'accord ? Ok ? Donc là, tu vas faire, toi t'es ici, toi t'es là, toi t'es là. Ouais, tranquille. Alors, cette machine, elle meurt. Ah putain, je vais mettre un scheduler, c'est pas grave. Allez, OpenShift, Kubernetes. Allez, je vais le coller ici automatiquement. D'accord, bon. Qui est sur Kubernetes ou OpenShift ? D'accord, ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande chaudement de regarder parce que c'est, on aime, on n'aime pas, ça arrive. C'est ça pour tout le monde. Donc on va rester là-dessus. Grosso modo, c'est quoi Kafka Connect ? C'est un cluster. Oui, vas-y. Non, ok. C'est un cluster. Où on va dire, en fait, on va dire, ben, je veux 457 tables. Il va faire l'équivalent de ça et il va les partager entre les workers. Comment ? Grâce au groupe dont on a parlé tout à l'heure. Si ça meurt, les tâches sont répliquées automatiquement dans d'autres. Donc, Kafka Connect, c'est un logstash distribué. Donc, n'hésitez pas à utiliser logstash lorsque ça fait sens. C'est un truc simple. Enjoy, logstash est vachement bien, mais lorsque vous devez avoir un peu de patate et des performances particulières et des garanties particulières dont on a parlé tout à l'heure, il faut utiliser, je vous recommande de regarder au moins Kafka Connect. Donc ça fait plein de connecteurs, donc il y a plein de trucs en in, plein de trucs en out. Typiquement, logstash a bien plus de connecteurs internes et externes, donc des fois ça fait sens de pouvoir utiliser logstash. Il y a des propriétés intéressantes, donc c'est fault tolerant par design, logstash ne peut pas l'être par construction. Il y a les gestions de schémas qui n'existent pas dans la stage, donc il y a des trucs un peu particuliers, un peu corporate, mais la vie elle est un peu liée à ça. Donc il y a un truc intéressant, donc Logstash c'est un langage complet, on peut faire des transformations de psychopathes dans Logstash. Nous on peut le faire également, ça s'appelle les single message transform, mais on dit en fait, faites-en le moins possible, sinon ça va être la misère, mettre du métier dans ce type d'outillage, ça marche pas. Je sais pas ce que t'en penses, mais si tu commences à faire des trucs trop balèzes, c'est... C'est bizarre. On ne peut pas faire le test unitaire, etc. C'est super chaud. En général, je suis complètement d'accord. Donc tu disais que logstash, tu préfères plutôt au dépilement de Kafka pour le mettre dans un autre truc. Je vois souvent des logstash être juste abusés, où il y a du code métier dedans, et tu fais « Comment est-ce que vous arrivez à gérer ce truc-là » À la limite, pourquoi pas, mais ça fonctionne. Moi, tant que ça fonctionne, je suis d'accord. Donc on peut faire des... parce qu'on sert à ça, hein. La créativité et le talent pour arriver à faire des trucs qui fonctionnent comme ça. Je suis d'accord. Enfin, c'est réel. Il y a un système de filtres riche dans le stage dont certains. Souvent. En tout cas, j'ai souvent vu ça. Donc, on peut faire des petites transformations, mais si vous faites une transformation qui est plus qu'un peu bête, vous vous trompez sûrement d'outils. Vous voulez peut-être faire un truc autrement.
Bon, si vous voulez vraiment une transformation à vous, vous pouvez faire implémenter une interface qui est assez balèze, attention, apply. Super. Ok, maintenant, donc on a vu les producteurs et consommateurs, Kafka Stream, Kafka Connect et KSQL. Donc j'imagine que tout le monde sait lire. Je crois que le premier qui connaît le nom du premier langage utilisé dans le monde ? Bon, à part le chinois et l'anglais, enfin, côté dev. C'est. Quoi ? Les graveurs dans les cavernes ? Non, non. Non, non, le langage de programmation le plus utilisé au monde. Pardon ? C'est le C ? JavaScript ? Non, pas du tout. Ah, non, non, c'est vachement plus simple que ça. C'est pas le SQL, c'est le deuxième. Non, c'est Excel le premier. Ah, c'est un langage fonctionnel parfait, hein. C'est Turing complet. Hein. Non, ça, je déconne pas. Je vous recommande les talks de Fabienne, je sais pas quoi, c'est une chercheure de l'université de belge qui est super chouette, qui parle de ça. Non, non, c'est le SQL. Tout le monde sait parler. Qui ne sait pas faire de SQL ? D'accord, bonne. Donc, en gros, KSQL. Donc, pourquoi est-ce que tout le monde sait faire du SQL ? Parce que c'est hyper utile. On peut voir le business en vrai et pas faire la technique pour la technique. Ok. Qui sait me dire ce que ça fait, ça ? Alors, je vous le lis rapidement. Donc, select status by, donc machin. Clickstream, c'est le nom d'un topic. Donc là, en gros, on est un petit peu... le topic, ça serait un clickstream. Et il y a quelqu'un qui va streamer des trucs. Et dedans, manifestement, il y a des payloads avec au moins trois champs qui s'appellent status, byte et user agent là-dedans. D'accord ? OK. Donc, qui sait ? Donc là, on joue pour un t-shirt. Non, je déconne. Tiens, pourquoi pas un t-shirt. Qui sait me dire ce qui va se passer ? Alors, on va rester deux secondes là-dessus parce que c'est important. Oui, vas-y. Quelle question ? Ouais. Moi, ça me pose plutôt une question. C'est qu'au début, on a dit que Kafka, il s'en fichait complètement du payload. Alors, super bonne remarque. On en parle après. Super bonne remarque. Donc, en fait, j'ai menti. Donc là, en fait, il y a du typage. C'est ce que tu dis. Donc, supposons qu'en fait, j'ai fait une opération juste avant. C'est vrai. Ou, par exemple, si c'est du JSON, j'ai typé moi-même le JSON parce que JSON n'est pas typé. Supposons qu'en fait, j'ai connecté avec la schema registry et donc le typage est là. Excellente remarque, merci. Donc là, on a mis la schema registry, donc on est en mode nominal, il y a du typage, on sait exactement ce qui se passe. Donc qu'est-ce que fait cette requête ? Ouais, vas-y. Ouais, donc en fait, on va lire les données de clickstream, on fait une clause de restriction qui fait where user machin, on fait une projection sur les deux champs. Super. Donc en fait, supposons que j'ai un KSQL équivalent d'une ligne de commande MySQL et je tape cette commande. Donc je fais entrer, qu'est-ce qui se passe ? Et ça ne s'arrête pas. Voilà, c'est ça. C'est le truc le plus important en fait. En fait, on travaille sur des topics, c'est-à-dire on est dans un. C'est unbounded. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin parce que c'est du stream. Moralité, si je tape cette requête, donc ça va faire exactement ce que vous pensez, mais ça ne s'arrête jamais. Il faudra que je fasse un CTRL-C si je suis en mode interactif ou un terminate si je suis en mode normal. Quoi. Donc c'est. Oui, tu peux demander. Donc déjà, par exemple, c'est un truc un classique, c'est par défaut KSQL il se met à la fin. Et si tu n'as pas de nouveau message, bah, tu ne vas rien voir, tu vas faire « Ah putain, mais c'est j'avais plein de données, j'ai plein de données de tests. » Non, non, il faut dire « Non, tu reviens dans le passé et tu vas consommer, tu vas streamer ça en temps réel jusqu'à ce que tu sois là et là, il ne se passe plus rien et tu attends. Et s'il y a quelqu'un qui ajoute des messages, eh ben, tu vas les voir en temps réel. » Non, non, tu dis jusque-là et tu vas tout lire. Bah oui, tu lis tout l'historique. Si tu as l'historique, tu ne peux pas lire, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, tu vas streamer. En fait, c'est simple. C'est extrêmement simple. Regarde, t'as une boîte. Tu mets un pointeur ici. Tu peux dire à offset, tu te mets à telle date. Bon, ben, tu vas là. Et ben, tu vas streamer comme ça. C'est tout. Et ensuite, t'attends que les données en temps réel arrivent et tu vas les traiter en temps réel. Ça vous va ? Si tu veux.
Je vais reprendre ton exemple. Donc, je suis cet utilisateur. Donc, ça n'existe plus. Donc, je suis cet utilisateur. Et avec KSQL, je fais ce processing. Puis, je l'arrête. Parce que, donc, ici, je suis ici, d'accord ? Puis, je fais un CTRL-C, je l'arrête. Et parce que ça m'intéresse, parce que ça m'a... Pourquoi pas ? Je dis le pointeur, maintenant, je le force ici. Bah oui, ça peut faire sens. Eh bien, tu vas recommencer, tu vas tout refaire en temps réel jusqu'à la fin. Et à la fin, bah, la fin, ce n'est pas le bon mot, parce qu'il n'y a pas de fin. Ça veut dire que sur le réseau, tu vas avoir les gigas de données. Ah bah oui, si tu vas à la fin, tu vas consommer... En fait, la plupart du temps, tu consommes à la vitesse de ton réseau. Tout à fait. Et du coup, par exemple, si tu consommes et que tu as demandé D'accord, ok, on en parle juste après, parce que c'est... Quand est-ce qu'on n'utilise pas KSQL ? Ça, j'ai un slide pour ça. Tu connais déjà Marc ? Pardon ? J'ai pas entendu. Si ta requête, en fait, elle est liée à un consumer group, bah, dès que tu vas refaire ta requête, elle peut se dire, bah, ok, en fait, le consumer group, il était à ce select, il était à cet offset-là, et bah, du coup, je reprends par rapport à cet offset. Si tu fais un CTRL-C, et c'est un consumer group particulier, et les données, elles continuent à flower, en fait, ton offset, il n'a pas changé, tu relances ta requête, et ça va commencer d'ici, et ça va rattraper le temps. D'accord. C'est bon ? Nickel ? Et c'est quel composant ? C'est quel composant qui fait le filtrage, là, le processing ? C'est le broker ? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Ouais, c'est... Non, c'est jamais dans le broker. C'est qui, du coup ? D'accord. Je vous ai parlé des consommateurs et des producteurs. D'accord. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait Kafka Stream qui était au-dessus. Et ensuite, il y a KSQL. En fait, KSQL, c'est un transpiler de SQL vers le code que tu aurais fait si tu avais l'expérience, l'expertise et le temps et la volonté de faire un truc pénible si tu sais déjà le faire 36 fois. Donc en fait, KSQL, c'est soit un composant, un serveur où tu lances des requêtes KSQL, soit tu l'embarques, donc tu avais une lib KStream, et tu peux également l'embarquer, KSQL, plus ton code à toi, dans ton class loader. Moralité, si tu es une JVM, ça va pas assez vite, Java Manjar, KSQL, débrouille-toi pour te faire un cluster, parce que ce n'est que un consumer et un producteur. C'est une surcouche, en fait. Ça répond à ta question ? Oui, ça veut dire qu'il y a bien toutes les données qui sont streamées. Absolument. Okay. Tout à fait. Qui sait lire ça ? Quoi, tu veux des t-shirts, ça ? Deux t-shirts ? Donc, il y a quoi comme truc, là ? Il y a create stream. Donc, on crée un stream. Donc, j'imagine que c'est OK, on va prendre un truc, ça va reverser quelque part. Et on crée un stream par rapport à un select avec des joins. Hein ? Ouais, c'est une vue matérialisée qui est streamée, en fait. Ouais, c'est ça, avec un join. Ça fonctionne. Alors, ça, c'est... Donc, qui a Elasticsearch à la maison ? Enfin, au boulot, pardon. Enfin, toi, tu l'as à la maison. OK. Enfin, qui n'a pas Elasticsearch au boulot ? D'accord, donc très peu de personnes. Donc en fait, il y a un cas d'usage que j'ai fait en prod, à la BNP, le projet, etc., là. J'avais un énorme ES. T'y allais il y a deux semaines sur le cluster. Donc, c'est les personnes que j'ai eues en formation. D'accord. Donc les gens que tu as eues en formation, le cluster, il était gros comment ? Quelle taille ? Il était entre 200 et 250 nœuds. Et combien de disques ? Enfin, c'est beaucoup ou pas 250 nœuds pour un cluster ? Oui, c'est violent. Donc en fait, quand j'ai aidé à ce projet-là, on avait des logs. Par exemple, je vais simplifier. Si on avait l'équivalent d'un payload avec un new ID, avec un app ID et ensuite plein de champs métiers, on les capture via Kafka, parce que Kafka, en tant que bus, comme buffer de qualité avec des propriétés qui sont là, donc sympa. Et on mettait ça directement dans un Elasticsearch. Donc Elasticsearch, pour faire simple, c'est pour faire un cube OLAP à pas cher.
Et ça marche super bien. Kibana plus Elasticsearch, c'est de la bombe atomique. Et en fait, les billets, ils étaient comme des, ils étaient super contents d'avoir Kibana, même avec des trucs qui sont un peu pénibles. C'était suffisamment, il y avait tellement de valeur, ils disaient, mais c'est super chouette, ça m'évite de faire des requêtes qui prennent des plombes dans un Exadata, dans une base de données qui est extrêmement compliquée. Et en fait, ils disaient, on déchire avec ES sur les données qui sont là-dedans, on arrive à faire des dashboards extrêmement intéressants, mais en fait, naturellement, vous êtes d'accord qu'il manque des dimensions. Il y a des dimensions qui sont ici, qui sont cachées, qui ne peuvent pas être exprimées là-dedans. Donc, si on pouvait transformer ça en genre Florent, ensuite Ramière, ensuite genre DSI, à Paris, etc., le code, machin, et ça, l'application, on l'expande, ça serait l'application A avec le boss, c'est T, puis la date et machin, on va pouvoir ajouter des dimensions. Déjà, ils étaient super contents. Et on peut ajouter de nouvelles dimensions pour faire des agrégations. Et bien ça, enrichir en temps réel, comment est-ce qu'on le fait? Donc on va se rapprocher très rapidement de ton besoin. Donc là, ça c'était un LDAP, donc il y a un LDAP, super. Ici, c'est sûrement dans une base de données qui a un référentiel de projet. Bon, bah, très bien, tu as un Postgres. Donc, tu as un Kafka avec des logs. Ce que tu peux faire, c'est faire un Kafka Connect qui fait ça. Je récupère le LDAP et je le mets, ça c'est Kafka, dans un topic qui serait LDAP avec clé, le UID et valeur, les valeurs. Et donc, on va utiliser pas le stream, mais la table, histoire d'avoir la dernière valeur. Genre, Florent, s'il change de branche, je vais avoir le Florent qui a changé de branche, pas la fin. Postgres, avec les tables, je vais pouvoir faire ça. Les applications. Et donc, je vais pouvoir, avec... Avant, j'avais un Kafka Connect ou un Logstash. Kafka Connect... Avant, ça faisait comme ça, mais je pouvais faire, j'avais pas les données qui étaient enrichies, et je peux maintenant faire ça. KSQL. Tic, tac, tac, tac. Qui est d'accord avec ça? Non, c'est fait en temps réel. Donc ça, en fait, ça, c'est pas une bonne pratique. Ce qu'il faut faire, c'est mettre... En fait, des logs enrichis, et tu prends un Kafka Connect qui prend les logs enrichis et qui les met dans Elasticsearch. Terminé. Donc en fait, on a le meilleur des deux mondes. Et pourquoi est-ce qu'on le remet là-dedans? Parce qu'en fait, on a enrichi la donnée, mais on l'a mis en prison dans Kafka, dans Elasticsearch. Donc c'est super bien Elasticsearch, mais c'est pas fait pour streamer, par exemple. Donc on va pas requêter Elasticsearch pour trouver la donnée. La donnée, on l'a valorisée ici, donc on peut la stocker ici. J'ai oublié ce que j'ai dit, donc... D'accord. ouais. T'as niqué mon flow. donc ce que je veux dire, c'est que en fait, Kafka, regardez, en fait, on a libéré la donnée des LDAP, des Postgres, etc. On l'a mis à disposition, on l'a libéré, on peut se faire consommer par plein de trucs. Donc moi, je l'ai consommé avec SQL, mais il y a une nouvelle application qui peut consommer directement les trucs LDAP. C'est pratique. Parce que de toute façon, le LDAP, il n'avait pas accès en lecture, de toute façon, pour des raisons XY, machin, maintenant, il peut faire des trucs intéressants. Bon, évidemment, il y a les ACL, etc. Donc, on va libérer la donnée avant qu'elle arrive dans ES. Et ça, c'est un pattern qui est super intéressant. Donc, moralité, avec une requête KSQL, si on a le schema registry activé, on peut arriver à enrichir les données et que les business analysts qui utilisent Kibana soient hyper contents. Alors, ça sonne hyper compliqué, il y a plein de flèches, mais c'est à deux boules. Installer un ES simple, c'est extrêmement facile. Juste avec Docker, vous pouvez faire ça, vous pouvez tester ce cas d'usage. Bon, évidemment, dans la réalité, on galère toujours un peu parce qu'il y a plein de trucs à découvrir, mais c'est pas un truc qui est violent. Alors, la requête qui tue, c'est, elle est là. Enfin, en tout cas, c'est l'une des meilleures que je trouve. Je vous laisse 2 secondes pour la lire. 2 secondes. Un peu plus, peut-être.
Je vous filerai les slides sur Twitter. Est-ce que quelqu'un peut, pour un t-shirt ou pour le sport, me dire ce que ça fait ? Qui pense ne pas savoir lire ça ou ne pas comprendre ça ? Pardon ? Non, sans déconner, vraiment, qui pense être un petit peu limite ? Une seule personne, d'accord. Vas-y, ben essaye, dis-moi là où tu vois le truc. D'accord. Alors, ben on va le lire ensemble. Donc, tu sélectionnes une projection. Donc, on ne va pas regarder la projection, on va regarder de où. En fait, tu sélectionnes des trucs dans une table d'autorisation. Bonne soirée. Effectivement, ça dure très longtemps. donc, tu récupères des événements de stream dans un topic qui s'appelle Authorization Attempt. Super. Ce que tu vas faire, tu vas les grouper par carte. Donc, tu trouves une dimension intéressante. Et tu vas les grouper sur une fenêtre de 5 secondes qui fait 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Et donc tu as cette fenêtre-là, tu vas les compter et tu vas faire une projection, enfin tu vas faire une close réflexion sur l'agrégat web que tu as créé. Et quand c'est super à 3, c'est-à-dire en fait tu as essayé de faire swipe, 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 ben, c'est un bandit qui l'a fait. Donc tu dis, ben, à partir sur 5 secondes, c'est anormal, fraude. Qui trouve que c'est bien ? Nickel. À pas cher pour faire du monitoring, c'est vraiment très pratique. Hein. Vas-y. Est-ce que c'est une fenêtre glissante ? Je te montre ça tout à l'heure. En fait, tu peux faire. Donc, la fenêtre glissante n'existe pas, mais tu peux faire des advanced by X secondes, etc. Voici ce que c'est que KSQL. Ouais, vas-y. La différence, là, on fait un create table. Ouais. Donc là, on a une vue à un instant T. Si ouais. Je comprends, on ne construit pas comme c'est une table, un historique. Comme c'est une table, ça sera un upsert. Dualité voilà. Stream table. C'est aussi bête que ça, hein. Vraiment, je ne plaisante pas. C'est une espèce de. C'est une HMAP en fait. Hein. Si tu fais put dans HMAP, ouais, super. Et si tu fais un put vide et que tu dis que c'est une table compactée, à ce moment-là, tu vas pouvoir supprimer grâce au log cleaner. Donc c'est aussi simple que ça. Alors, le truc intéressant, c'est que si vous devez l'implémenter avec Kafka Stream, eh ben, ça demande beaucoup d'efforts. Et vous êtes d'accord que tu avais peut-être du mal à le lire, mais je veux dire, ça, si je te montre le code Kafka Stream, c'est mort. Donc en fait, il faut vraiment utiliser le SQL là où c'est vraiment le meilleur. Donc KSQL, c'est ça. Et le vrai ça, c'est la dernière ligne. Parce qu'en fait, on est des humains, et que quand on sait faire des requêtes super balèzes en Kafka Stream, ben, la première fois, on a bien galéré, on est super content. Mais quand on vous demande de faire 157 fois, ça vous saoule, en fait. Et donc, en fait, là, c'est juste des trucs trop chiants, je le fais pas, je le file au junior. Et donc, le junior, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh ben, il va falloir qu'il remonte en compétence, qu'il prenne du temps, ça va le faire marrer 2 secondes, ensuite il va faire « Non, c'est bon, moi, je sais faire, à toi. » Et donc, en fait, ça n'a aucun intérêt. Si on sait l'exprimer en forme SQL, qui est finalement la spec, autant utiliser la spec. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer l'équivalent Kafka Stream ? Tu n'as pas envie de le faire. Pourquoi est-ce que tu n'as pas envie de le faire ? Parce que ça te permet de. La réponse est non, tu ne peux pas, parce qu'en fait, ça va faire un AST, et ça va parcourir l'AST, ça va générer du bytecode, et, etc. Donc en fait, ce n'est pas vraiment fait pour ça. Et en plus, ça fait également du tree shaking, ça va faire des. En fait, c'est un peu comme une base de données, ça va faire des opérations de réduction des arbres. Donc je ne plaisante pas, le willingness to do boring code, c'est vachement important, parce qu'on est tous des humains ici. Alors pour vous prouver que c'est bien du Kafka Stream, donc là, c'est une vue mission contrôle. Donc là, un Kafka REST Server, et Kafka Stream, Kafka Stream, Kafka Producer, Kafka Consumer. Donc on peut bien voir, enfin, vous ne pouvez pas voir vous, mais là, on peut voir Consumer, Producer et Kafka Streams. Done. Voilà. Donc c'est vraiment juste le code que vous auriez. Enfin, ce que je dis là, c'est ça. C'est vraiment ça. Pardon ? Ah, d'accord. 5 minutes, max, promis. Super, donc c'est super bien, Florent, mais quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser ? Ce n'est pas pour faire du BI, c'est pour faire des requêtes temps réel. Donc il n'y a pas d'index, tu en as parlé tout à l'heure, il n'y a pas d'index, donc c'est juste pour streamer en temps réel et faire des opérations intéressantes. Alors, mon objectif, hein, c'est vous donner envie d'aller regarder le truc. Hein. J'imagine pas là pour...
c'est pas une formation. Je veux juste vous donner la gouache et vous donner les moyens de vous donner les moyens. Donc là, c'est un jeu vidéo avec un vrai volant, enfin un truc de jeu vidéo connecté à un jeu. Le jeu, il envoie des métriques à Kafka. KSQL va les valoriser en temps réel, va remettre les résultats dans Kafka. Il y a Kafka Connect, espèce de ETL qui va récupérer dans Kafka, qui va les mettre dans un FluidB. Un FluidB, c'est une base de données temporelle. Grafana va pouvoir le valoriser avec des graphes sympas. Et ça fait ça. Je vous montre rapidos. Donc là, on peut voir les JSON en temps réel, le jeu et tout plein de trucs calculés par KSQL. Alors, truc intéressant, c'est qu'en fait, le bloc de Confluent, je n'ai pas expliqué qu'est-ce qu'était Confluent, rapidement. Le bloc de Confluent est de qualité. Je vous recommande violemment de regarder. Il y a plein de trucs peut-être qui ne vous avez pas vous intéresser, mais qui lit le blog de Confluent? Qu'est-ce que tu en penses? Et il y a eu deux pouces vers le haut. Non, vraiment, le blog, il y a très peu de déchets. Il y a pas de trucs marqués. C'est un truc marketing, c'est marqué marketing ou alors nouvelles, machin. Mais c'est vraiment, il y a plein de trucs intéressants à lire. Ça, c'est le blog. Le truc intéressant, c'est que ça vous prend par la main du truc le plus simple. Donc là, la définition du JSON, créer une stream, voir le métier, les clauses de restriction, etc. Il y a même du windowing. Windows, on en parlait tout à l'heure, je pense que c'était quelque... Toi, tu peux voir là que c'est une hopping window avec une cycle de 5 secondes qui se déplace de 1 seconde. Donc ça, c'est une vraie sliding window, parce qu'une sliding window pure, ça fait pas sens. Pour aller plus vite, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des démos. Donc c'était la démo marrante pour vous donner envie d'apprendre, pour montrer ça à vos boss. Et puis dans la vraie vie, on va faire exactement ce que tu disais tout à l'heure, du chain data capture. Donc en fait, j'ai fait une démo complète, toute un peu pénible, mais qui ressemble à ce qu'on peut avoir au boulot. Donc là, on a la télémétrie qui va récupérer via télégraphe des trucs de Kafka. Qui va monitorer Kafka, qui est écrit dans un FluidB. Grafana lit un FluidB. Alors j'ai fait un générateur d'événements, enfin d'event sourcing, pour simuler une application non triviale, qui va dans Kafka. J'ai une application Kafka Stream qui est ici, qui va lire les données que j'ai produites ici de Kafka et qui va les appliquer dans MySQL. Et puis j'ai un chain data capture via Kafka Connect qui va récupérer le redo log de MySQL pour mettre toutes les modifications dans Kafka. Et puis j'ai un KSQL qui fait des trucs. Et puis j'ai également une autre application qui va prendre le chain data capture de mon MySQL que j'ai créé et updaté parce que machin, c'est assez absurde. Et je fais un diff en temps réel et que je vais mettre dans un FluidB. Donc ça ressemble à une application moins sexy, moins fun, et donc plus réelle. Alors, truc rigolo, c'est que donc c'est disponible sur mon GitHub, Framia. Alors, j'ai fait la version séquence diagramme, rigolo. Et puis, j'ai sorti également l'output Docker, enfin Docker Compose. Alors, truc intéressant, c'est que Kafka, donc Migno, j'ai fait aussi du Kafka Connect pour pusher vers du S3. Migno, c'est S3. Open source. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on voit bien un FluidB, base de données, MySQL, base de données, S3, base cold, quoi. Et Kafka, c'est bien au même niveau. Alors là, on a un control center qui est une UI, donc c'est closed source. Donc là, le slide suivant, je l'enlève. Donc en fait, on est vraiment Kafka, c'est également du storage. C'était l'un des éléments que je vous avais dit. Kafka, c'est un MOM, un storage, c'est du streaming et un ETL. Donc c'est confirmé juste par un Docker Compose. Rapidement, SQL, dans la vraie vie, on a des payloads JSON ou Avro ou protocol buffer avec des nested types, c'est géré. On a tous les joins qui servent de stream à stream, de stream à table, de table à table, puis il y a d'autres trucs. Ça fonctionne. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qui a marqué? Alors oui, super important. Donc je vous ai parlé au tout début que Confluent fait un espèce de gros zip où on fait clic-clic Confluent start, nickel. C'est un toy, hein, c'est juste pour sentir à l'aise, pour tester à la main, tester à la maison. Si vous voulez avoir la full stack avec la sécurité, quand on me demande de faire de la sécurité, je vais toujours là-dessus, CP démo, et je vous montre, chaque fois qu'il y a la sécurité, enfin tout marche bien dans les démos simples, et dès qu'il y a les contraintes de l'exploit et de la prod, ça devient un capharnaüm. Et donc en fait ce capharnaüm, en fait il n'est pas par défaut dans notre démo. Et là, c'est le drame.
Donc on peut voir des Zookeeper host provider, des SASL, des users, des reporters, des protocoles, des JAS, des trusters, des configs, etc. Et là, il y a tous les composants. Donc même si on vous demande de mettre ça en œuvre, on parle d'un truc open source, hein, mettre ça en œuvre avec la sécurité parce que vos données qui passent dans les tuyaux sont hyper secures. J'essaie de faire du bruit avec, pour que la caméra écoute. Voilà, c'est bon. Sur la partie open source, ça marche bien sur le cœur de quelqu'un, mais ce qui est parti schéma registry et, c'est vrai. Ah oui, et REST proxy, on est d'accord que dans la version open source, c'est juste absolument. Des trous de sécurité monumentaux. Confluent, c'est une société commerciale, je suis payé, ouais. Donc à un moment donné, il faut qu'on gagne de l'argent pour qu'on continue à contribuer à l'open source. Mais 99% des trucs vraiment importants pour une vie normale, tu peux utiliser et gérer toi-même, bien sûr. Mais tu as raison, tout à fait. Donc, ça me choquait avant que j'ai un salaire qui vient du monde de l'open source, comme monsieur. nickel. Donc là, je parlais il y a plein de distribs. Qui fait de l'Ansible? Vous voulez déployer pas avec Docker, il y a CP Ansible, ça existe, ça marche. Qui veut déployer sur Kubernetes? CP Helmchart, c'est disponible, c'est open source, enjoy, faites-vous plaisir. KSQL, donc tout le monde, il y a une espèce d'incompréhension que KSQL c'est un truc très compliqué alors que maintenant vous savez que KSQL ce n'est que Kafka Stream. Donc pour le capacity planning, vous pouvez comprendre rapidement. Je vous en ai parlé tout à l'heure, donc il y a plein de propriétés qui fonctionnent, je vous assure ça fonctionne, sinon je ne serais pas là, et sinon la plupart des boîtes n'utiliseraient pas. En revanche, il y a des pitfalls, faites attention, il y a des choses à savoir. Donc il y a des white papers qui sont gratos sur le site de Confluent. Donc autant le blog il est intéressant, les white papers sont de qualité. Je vous recommande seulement de les regarder. Ressources, vous galérez, etc. Il y a plein de sites, il y a Stack Overflow, il y a les ingénieurs de chez Confluent, mais sans déconner, j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à faire ce qu'ils font, plus supporter la communauté en temps réel, c'est dingue. Mathias Sachs, c'est un mec, je sais pas comment il fait. Je pense qu'il doit pas dormir. Il y a des Slack, il y a des groupes, et puis il y a également Apache, hein, bien sûr. Après, comme on est les principaux contributeurs, vous allez dans les deux, vous trouvez les meilleurs de ce qu'il y a à faire. La version moins interactive, en plus, plus brossée, plus rapide, avec plus de composants, potentiellement qui peut être proposée à vos collègues pour qui veulent regarder tranquillement. J'ai fait un talk à Devox. Qui reprend une bonne partie des composants. Et je pense que côté Q&A, on est bon. Il y a un autre truc que je peux vous donner. J'ai une petite question, moi. Ouais, je pense que vous n'avez pas assez de faites questions. Donc, je suis dispo ici. Oui. Ouais, tranquille. J'ai mis des stickers.